Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous accueillir, de vous souhaiter un bon début de journée. Nous sommes le vendredi 12 août 2016. Et ben vous regardez Télématin, comme tous les jours de la semaine, y compris le samedi. On va commencer tout de suite avec le premier journal qui est présenté par Justine Veil. Bonjour Justine. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Le judo français retrouve des couleurs. Deux médailles cette nuit. D'abord de l'argent pour Audrey Tchemehou et puis une médaille de bronze pour Cyril Marais chez les moins de 100 kilos. Julien Benedetto et Jean-Marc Nouknouk. Incroyablement déterminée, Audrey Tchemehou est aux portes de l'or olympique. En tribune, l'espoir de toute sa famille. Mais en finale, la Française se fait piéger par l'Américaine Harrison sur une clé de bras. Audrey Tchemehou est vice-championne olympique 4 ans après sa médaille de bronze de Londres. J'ai fait 4 années, c'était vraiment dur. Voilà, j'ai toujours eu la foi de ne pas baisser les bras et continuer. Voilà, c'est une belle récompense. Championne olympique, ça se prend quand même. Le hippon de la délivrance. Le jour de ses 29 ans, Cyril Marais décroche le bronze en moins de 100 kilos. Immense émotion dans les bras de sa compagne. Même si aujourd'hui j'étais venu pour être champion olympique, voilà, j'ai une médaille olympique autour du cou. C'est du bronze, mais ça reste une grande fierté. Cette médaille, elle représente quand même presque 10 années de travail. Les deux judokas ont fait vibrer les cœurs français et repartiront de Rio avec un petit morceau d'éternité. Les judokas n'ont pas été les seuls à briller. Hier, 5 médailles en tout en une seule journée pour les athlètes français. Aviron, kayak, vélo, tous les résultats et les images, ce sera avec Arnaud Ursul pour la chronique sport dans un instant. À l'étranger, plusieurs bombes ont explosé en Thaïlande hier soir et ce matin. Le bilan provisoire est de 4 morts et plusieurs blessés, notamment des touristes. Les explosions ont eu lieu dans des stations balnéaires très prisées. Aucune revendication pour le moment. Marine Candel. Une zone proche de la plage, fréquentée par de nombreux touristes et locaux. Venus célébrer ce week-end férié en Thaïlande à l'occasion de l'anniversaire de la reine, ils étaient nombreux hier soir à arpenter les rues de Hua Rin. Quand une première bombe explose, puis une seconde, 30 minutes plus tard. Une vendeuse thaïlandaise a été tuée, 21 autres personnes blessées. Selon l'administration locale, les engins contenaient des billes en métal. Activés par téléphone, les bombes étaient cachées dans des pots de fleurs. Plus tard dans la nuit, un Thaïlandais est mort dans une autre explosion. Ce matin, nouveau double attentat mortel à Hua Rin. 400 km plus au sud, une cinquième explosion tue un employé municipal. Une autre fait un blessé léger à Phuket. Bilan de cette nuit, 4 morts et des dizaines de blessés, dont de nombreux touristes étrangers. 6 explosions, une véritable attaque coordonnée qui pour l'instant n'a pas été revendiquée. Justice, en bref, Jacqueline Sauvage va-t-elle sortir de prison? La justice doit trancher aujourd'hui. Condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent, elle a été graciée par François Hollande fin janvier. Le tribunal d'application des peines statuera aujourd'hui sur sa demande de libération conditionnelle. Le sud de la France toujours en proie aux incendies. Si du côté de Marseille, les foyers sont maîtrisés, dans les Pyrénées-Orientales, en revanche, les feux continuent de ravager la forêt. 850 hectares brûlés, des habitations menacées. Cécile Loyal. Un épais nuage de fumée qui étouffe ce petit village. Le feu n'est qu'à quelques kilomètres. Il dévore les hauteurs de Rodez. 60 habitants ont dû être évacués en urgence, accueillis dans la salle des fêtes de la commune. Une centaine d'autres ont été confinés à domicile. L'incendie s'est déclaré plus tôt près de Montalbat-le-Château. Il a ravagé plus de 850 hectares en moins d'une journée. 500 pompiers ont été mobilisés avec des renforts venus dans la nuit des régions voisines. Des pompiers aidés de 3 avions Canadair, mais aussi de bombardiers d'eau. Sur les routes du département, des centaines d'automobilistes bloqués. Certaines voies ont été fermées ainsi que la ligne ferroviaire entre Prades et Perpignan. Environ 400 naufragés ont été accueillis dans des centres d'hébergement. C'est l'incendie le plus important cette année dans le département. C'est la fin de cette édition. Thierry, on se retrouve dans un peu moins d'une heure.
Ça sera avec grand plaisir, Justine. À tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire un point météo fort intéressant pour celles et ceux qui sont en vacances, et puis pour ceux qui travaillent éventuellement. Belle amélioration à la veille de ce week-end, avec de la chaleur à venir. Bonjour Thierry. Oui, oui, l'amélioration se confirme. Ça y est, là, l'anticyclone revient sur le proche Atlantique. On a encore quelques passages nuageux, les résidus de la perturbation d'hier, en fait, qui avait donné quelques pluies sur le nord du pays. Quelques résidus nuageux, surtout près des frontières du nord et sur le quart nord-est du pays, mais progressivement, on retrouve un temps de plus en plus sec, de plus en plus de soleil. Ce sera vraiment très agréable. Et puis, deuxième bonne nouvelle, c'est que le vent faiblit enfin en Méditerranée. Le Mistral, aujourd'hui, soufflera à 50 km/h en rafale. Donc là, on parle d'un Mistral classique et ce vent va complètement tomber à partir de demain. Ensuite, les températures repartent à la hausse et on retrouve enfin des températures de saison. C'est déjà nettement plus doux ce matin. Par exemple, 11 degrés à Reims, on avait seulement 4 degrés hier matin. 16 degrés à Paris, 21 degrés à Nice. Et cet après-midi, température conforme au normal de saison quasiment partout, 19 degrés à Cherbourg, là c'est un tout petit peu plus frais, 23 degrés à Lille, 26 degrés à Paris et 30 degrés de Bordeaux jusqu'à Perpignan. Et ce n'est que le début, hein. Tout au long du week-end, il va faire beau et il va faire de plus en plus chaud jusqu'à mardi en attendant les orages pour le milieu de la semaine prochaine. Merci Patricia, eh bien, on reparle de tout ça dans une vingtaine de minutes. On va retrouver maintenant Jacques de Gendil qui parcourt le monde entier pour tester l'accessibilité des personnes handicapées dans plusieurs grandes villes. Et là, Jacques va nous emmener à Munich, voilà, une ville accessible et idéale à visiter cet été. Enfin, en tout cas, c'est ce que Jacques va nous dire. Et bonjour, nous allons dans l'extrême sud de l'Allemagne aujourd'hui, dans la capitale de la Bavière. C'est Munich que je vous propose de tester ce matin. Le début de Munich, ça remonte à 1156, mais Munich en entier, mais surtout la vieille ville, ont été entièrement détruits pendant la guerre. Donc tout a été reconstruit historiquement. Donc tous les bâtiments officiels ont été reconstruits comme ils étaient avant. Il faut se rendre à la Marienplatz, il y a l'hôtel de ville, c'est vraiment le centre où tout a commencé. Et puis moi-même j'aime énormément le Viktualienmarkt, c'est le marché. C'est très coloré, il y a des produits qui viennent du monde entier, il y a plein de petits stands, il y a 140 stands à peu près. On a le S-Bahn et le U-Bahn, c'est donc un système de métro. Il y a les bus, il y a les tramways et on fait de plus en plus pour rendre accessible. Il y a donc des ascenseurs, des rampes. C'est identifié aussi sur les wagons. Il y a le logo avec le fauteuil. La mentalité allemande est très attentive aux personnes à mobilité réduite. Et d'ailleurs, les gens sont très coopératifs, sont très gentils. Ils voient quand on a besoin d'aide. Donc, on vous proposera de l'aide d'ailleurs. La Lehnbachhaus, en fait, c'était le domicile d'un peintre allemand qui était très célèbre et très riche au début du XXe siècle, à peu près 1900. Et après sa mort, sa veuve l'a vendu à la ville de Munich, qui a installé un musée, donc aussi avec ses peintures à lui, mais également d'un groupe de jeunes peintres. C'était le groupe du Blaue Reiter, le cavalier bleu. C'était Franz Marc, August Macke et aussi Wassily Kandinsky, le fondateur de la peinture abstraite. L'endroit le plus visité ici à Munich est le BMW Welt, le monde de BMW. Comme à Stuttgart, on va visiter le musée Porsche ou Mercedes. C'est le centre de livraison des voitures BMW. C'est un bâtiment extraordinaire, point de vue architecture. Et depuis sa construction et son ouverture en 2007, c'est devenu le monument le plus visité de Munich. Le château de Nymphenburg, c'était la résidence d'été des ducs et puis après des rois de Bavière, situé à peu près 7 km du centre de Munich. On peut visiter le bâtiment central, on peut voir comment vivaient
ses souverains à l'époque. Et puis, on y a installé également un musée pour la nature, il y a un musée pour les calèches, il y a un musée pour la porcelaine qu'on fabrique toujours. Et puis, le parc est absolument magnifique et on peut flâner pour sentir l'ambiance de cette ville. Voilà une destination idéale pour un week-end de 3-4 jours. Sur le site de Télématin, vous trouverez toutes les informations relatives à ce voyage et ce guide qui n'existe qu'en allemand mais qui sera en anglais sur le site de Télématin. Très bonne journée, à bientôt. Voilà, et on nous regarde certainement à Munich, donc un peu partout dans le monde. Donc on vous salue. Merci Jacques. Allez, on fait le point maintenant sur ce qui s'est passé hier et cette nuit à Rio avec Monsieur Gio, Arnaud Ursul. Tu pensas coisinhas bonitas de mim, menina, menina. Tu pensas coisinhas bonitas de mim, menina, menina. Lindos olhos você tem, cabelos longos também. Não te troco por ninguém. Ursule, il a le sourire. Voilà. Un jour sur deux, en fait. C'est ça, c'est tout ou rien. Donc on a pas mal de médailles, en cinq, plus. Cinq pour la journée d'hier. Ouais. On va commencer avec les tatamis, c'est du judo. Des médailles pour Audrey Tcheméo dans la catégorie des moins de 78 kilos. On va regarder tout ça. Médaillée d'argent donc, la Française qui avait gagné tous ses combats jusqu'à la finale où kimono bleu, elle va s'incliner face à l'Américaine Kayla Harrison sur Ippon. Et puis un peu plus tard dans la soirée, du bronze pour Cyril Marais. Dans la catégorie des moins de 100 kilos, l'or est revenu au Tchèque Lukas Kpalek. Dans la finale, pour la troisième place, le Français kimono bleu, bim, va placer un nippon à l'Allemand Karl Richard Frey. Médaille de bronze, belle façon de fêter son 29e anniversaire pour Cyril Marais. Les autres médailles venues du Vélodrome, Grégory Boget, François Pervis, Michael Dameda, le bronze dans l'épreuve de la poursuite par équipe. Là encore, une petite finale pour les Français qui ont battu l'Australie. Eux, c'est à la force des bras qu'ils sont allés chercher leur médaille. Du bronze également pour Franck Solforosi, Thomas Barouk, Guillaume Reynaud et Thibaut Collard. Première médaille de l'aviron français dans l'épreuve du 400 barreur poids léger. Toujours dans l'eau, Gauthier Clos, Mathieu Péché. Le bronze là aussi, c'est en canoë biplace. Et du coup, ça porte le nombre de récompenses de l'équipe de France à 11. 11 médailles, nous sommes 11e d'un classement, toujours dominé par les États-Unis. Les États-Unis, 38 médailles quand même. Ça fait rêver. Bon, on sort de l'eau et on va faire un peu de hand, du handball. Oui, les handballeurs français qui visent un incroyable triplé à Rio. Et ils poursuivent leur parcours sans faute. Regardez, une nouvelle victoire hier, c'était face, cette nuit même, c'était face à l'Argentine. 31 à 24, 3 matchs, 3 victoires donc pour les experts qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Leur prochain match de poule, ce sera face à la Croatie. Il y a même eu des bonnes nouvelles du côté du tennis. Gaël Monfils en bas de l'écran qui s'impose face au Croate Marin Cilic en 3-7, 6-7, 6-3, 6-4. Il est qualifié pour les quarts où il affrontera le japonais Kei Nishikori. Gymnastique, Simone Biles, 19 ans, était attendue. Elle n'a pas déçu. 1m45 de grâce et de puissance. La voici championne olympique du concours général. Elle a encore 3 chances de titre au sol, au saut et à la poutre. Natation est de 22. 22e titre olympique pour monsieur Michael Phelps, qui a remporté un nouveau titre. Ce coup-ci, c'était dans l'épreuve du 200 mètres 4 nages avec plus de 2 secondes d'avance sur le deuxième. 4e titre sur une même distance en 4 Jeux olympiques. Il est le premier à réussir cet exploit. Il est incroyable. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Étonnant. Voilà, et tout ça, c'est à vivre sur France Télévisions. Voilà. Oui. Et on continue avec Les chances de médaille pour les Français. Le clan français qui aura bien évidemment un œil sur le bassin olympique, puisqu'on va regarder Florent Manaudou. Il faudra mettre son réveil. Thierry va nager la finale du 50 mètres nage libre à 3h44. Il essaiera de conserver son titre. Teddy Riner, entré en lice pour le Colosse guadeloupéen. Premier combat prévu à 15h. Lui aussi va tenter de conserver son titre de champion olympique. Et puis on termine avec deux images. La première, il était 16h54 à Rio. Justin Rose, le Britannique, un trou en un, 172 mètres. Voilà, et c'est dedans. Bravo monsieur. Et puis au tournoi de beach volley, un petit bonhomme qui va se souvenir longtemps de la journée d'hier. Le voici. Oh. Le petit pépère qui a eu le droit de venir sur le terrain échanger un petit échange avec le joueur brésilien à la suite de la victoire de la paire brésilienne.
Voilà, il est reparti avec le sourire et le ballon dédicacé de son joueur. Il est tout chou, le petit bonhomme. Quelle belle journée pour ce petit pépère. Et puis nous, on va vivre une belle journée, évidemment, hein, sur France 2, France 3, France 4, France O. Enfin, on se régale, vraiment. Oui. Voilà, et puis tout à l'heure, Baume Dia, Rio. Ben oui, là, aux alentours de 11h55, oui, c'est ça, ouais. Voilà, merci beaucoup Arnaud. Merci. Vous partez pas, on aura besoin de vous tout à l'heure. Hein. D'accord, j'ai remarqué quand il y a des médailles. Voilà, on fera le point. Ouais. Et on continue avec Thomas Hervé, visite guidée. Alors si vous appréciez L'Âge de glace ou encore des films d'animation comme Robot, Rio, justement, eh ben, vous allez apprécier cette petite visite guidée exceptionnelle que Thomas vous fait découvrir. On va dans les studios Blue Sky et vous allez voir, c'est un studio qui réalise des performances incroyables, des succès planétaires. Voilà. On démarre l'histoire des studios Blue Sky avec Peter DeSève. Alors Peter DeSève, il est illustrateur. C'est lui qui a dessiné tous les personnages de L'Âge de glace. Il s'inspire de ce tout petit dessin anodin. Il a l'air de rien, comme ça, ce dessin du « oui, bof ». Eh bien, en fait, il serait extrait du premier dessin animé créé en 1914 qui s'appelle « Gertie le dinosaure ». Ça lui file tellement d'idées que c'est comme ça qu'il va créer la saga de L'Âge de glace. C'est toi, le petit Gertie. T'es trop cool de t'inspirer tout ce bazar, bof, oui. Alors parmi les personnages de L'Âge de glace, ici vous allez retrouver plein de dessins préparatoires. Il y a le mammouth, Manny, qui est assez cool, mais quand même faut pas le chercher. Mine ! Il y a Sid, vous savez, c'est le paresseux, il parle avec une petite voix comme ça, et il a toujours des idées très très bêtes. Et puis il y a Diego, le tigre à dents de sabre. Alors lui, Diego, il rigole pas. Le plus populaire n'était pas prévu du tout. Il s'agit de Scrat. C'est l'écureuil un peu dingo qui cherche absolument sa noisette. Et ben Scrat, il est devenu tellement populaire que c'est l'emblème de L'Âge de glace. Autre succès animalier, Rio, une histoire de perroquet. Alors figurez-vous que les illustrateurs sont allés les voir au zoo du Bronx. Et le réalisateur a remarqué que les jeunes, ils avaient non pas un gros cou comme ça, mais un cou un petit peu décharné. Et le réalisateur s'est dit, bah ça je vais en faire un personnage qui s'appelle Thiago. Je veux ce petit cou tout maigre là pour Thiago. Tous les autres, on lui dit non pas du tout, on dirait qu'il est malin, il faut des coups qui soient bien emplumés. Et ben, le réalisateur s'est battu contre toute son équipe, d'où l'expression tenir le coup. Et puis, il y a Robot. Alors, dans cette exposition, vous apprendrez que pour faire les décors de Robot, ils sont allés chiner des casseroles, des vieux morceaux de moteur, et aussi des récipients de cuisine. Et avec tout ça, eh ben, ils ont fait tout le décor du film. À tel point que le personnage principal du film est inspiré d'un moteur de hors-bord. Alors, vous dites, mais comment est-ce que le réalisateur a pu penser à ça? Ben, c'est simple, c'est le moteur du hors-bord de son grand-père. Et puis, 30 ans après, paf, un personnage. Paf, un succès. Tiens, mais je vais peut-être faire ça avec mes deux chevaux. Et l'avenir dans tout ça? Il y a eu L'Âge de glace 1, L'Âge de glace 2, L'Âge de glace 3, L'Âge de glace 4. Eh ben, il y aura L'Âge de glace 5, bien sûr, juillet. Et là, on va retrouver Scrat dans l'espace. Eh oui, à la recherche de sa noisette. Et puis surtout, on est sûr d'un truc. C'est que les personnages principaux, Sid, Diego et Manny, vont se retrouver en boule. Hein, les gars? Vous avez pris du poil de la bête, hein? Faut pas que je le dise trop fort, sinon il risque de se mettre en boule. Oh, c'est génial, génial. Voilà, si vous voulez voir cette expo, vous avez jusqu'au 18 septembre. Voilà, je suis pas certain que Thomas sera là tous les jours pour faire la visite, mais enfin, en tout cas, merci beaucoup, Thomas. On continue avec Richard Zarzavadjian à présent. On va parler santé et on va parler de ces hôpitaux qui sont là pour vous en été. Docteur, toujours je grelotte, j'ai le front brûlant. Docteur, contre l'amour, existe-t-il un médicament? Ça, c'est quand même une version. C'est la version française de Fever. Ah oui, bien sûr. Fever, adapté par Claude Nougaro. Ouais, voilà, ça il faut aller le chercher. Bravo, Philippe Miramont. Alors, docteur, justement, bah, des docteurs, il y en a un peu partout en France, dans les hôpitaux. Ils sont là chaque été pour s'occuper de vous. Et là, on va sur l'île d'Oléron aujourd'hui. Absolument. On termine cette série sur les hôpitaux l'été.
par l'île d'Oléron parce que c'est vraiment l'exemple type d'un hôpital. À Oléron, il y a un hôpital local qui a vraiment adapté ses moyens, ses soins en fonction du flux touristique, puisqu'il faut savoir que l'île, la population de l'île l'été est multipliée par plus de 10. Donc ça nécessite une prise en charge. On a développé les moyens, on a multiplié les moyens médicaux par 2. Donc c'est vraiment l'exemple type de ce qu'il faut faire sur une île lorsqu'il y a autant de monde. Il y a des médecins, des infirmiers, mais il y a aussi un service d'urgence qui est assez rare. Et donc tout ce dispositif médical prend en charge la bobologie, hein, les problèmes de l'été, les otites, les douleurs, les traumatismes, mais aussi, dans des cas très rares, heureusement, des situations urgentes, c'est-à-dire, par exemple, des infarctus. Et là, on donne les premiers soins et on gagne du temps, parce que c'est ça l'objectif. Vous allez voir tout ça. Regardez, direction Oléron. L'été, la population de l'île d'Oléron sur la côte atlantique est multipliée par 10. Pour répondre aux besoins sanitaires des vacanciers, l'hôpital local a déployé des moyens supplémentaires avec des médecins, des infirmières, sans oublier les urgentistes, indispensables face aux situations aiguës. À Oléron, nous sommes l'été à 1 heure de route de l'hôpital de Rochefort, quasiment à 2 heures de l'hôpital de La Rochelle. Donc ici, je pense que grosso modo, en 15 minutes, 20 minutes, les patients sont là, ce qui permet de faire un premier diagnostic. Donc on assure quand même le premier soin. Les points de suture, les otites, les bronchites, les coups de soleil, les coups de chaud, enfin tout ce qui est la pathologie de l'été, voilà, oui. Les déshydratations, etc. Cet après-midi, la salle d'attente du centre d'Oléron est déjà bien remplie. Je trouve que c'est bien parce que si ça tombe en plein week-end, qu'on ait quelque chose, c'est ouvert. J'ai une écharpe dans mon doigt et puis que j'ai pas réussi à me l'enlever tout seul. Et vu qu'il n'y a pas de médecin d'ouvert, vu que la pharmacie n'a pas voulu me faire, il aurait fallu que je m'en aille aux urgences à Rochefort. Une organisation et une permanence des soins dont Lucette, une habituée de l'île l'été, a elle aussi bénéficié. Et ce jour-là, je me suis sentie pas bien du tout, nauséeuse, oppressée à nouveau, fatiguée. Donc je me suis dit, ça va passer, je vais me reposer, faire la sieste, etc. Pourtant, Lucette vient de faire un infarctus. Et c'est sa sœur qui va prendre les choses en main en alertant les secours. Grâce à la structure d'Oléron, elle va recevoir les premiers soins rapidement. Et c'est peut-être cela qui l'a sauvée, car l'infarctus est une urgence absolue. S'il n'y avait pas eu ces structures au cours de l'été, la sœur de notre patiente aurait probablement pris sa voiture et emmené à Rochefort, ce qui signifie pour sortir de l'île d'Oléron peut-être 1 heure, 2 heures de véhicule. Et puis d'autre part, l'attente qu'il y a à Rochefort et l'été qui peut aller de 5 heures à 7 heures, paraît-il. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pu ne pas être là pour en parler. Voilà, c'est d'où l'intérêt d'un tel dispositif. Quoi. Absolument. Et il faut rendre hommage à Oléron, parce que là-bas, non seulement il y a ce centre de santé, mais il y a aussi, on prend en charge aussi les personnes qui ont besoin de faire des dialyses et qui sont en vacances. Donc il faut profiter. Et il faut dire que ce type de dispositif sur les îles, hein, on parle par exemple de l'île de Ré, se développe. Mais c'est obligatoire. On est obligé, compte tenu du flux touristique, eh bien d'avoir une adaptation, avoir des soins, avoir une structure médicale. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est la démonstration que la permanence des soins est assurée. Il n'y a pas de cassure, on est vraiment dans le prolongement, on traite les gens sur Oléron et parfois on peut les envoyer sur des hôpitaux. Voilà. À tout à l'heure Richard, merci beaucoup. On fait une petite pause avant de parler météo avec Patricia Charbonnier. Le matin c'est rigolo, le mieux c'est les filles. À tout de suite. Est en vous. CB12, haleine ultra fraîche, votre dose quotidienne de confiance. Urgo présente. Oh, oula, malheureuse! Urgo a encore innové avec SOS Coupure. On tire la bande, on enroule, on pince pour couper, et ça tient tout seul. Révolutionnaire! Et on reprend son activité très vite. J'en connais qui ont faim, moi. Dispositif médical. Tous vos mots méritent Urgo. Alors, vous nous faites quoi aujourd'hui? Ah, du thon mariné au basilic petit navire. Des pâtes? Et des tomates? Bonne idée. Avec ce thon tendre et parfumé, ça devrait être un succès.
Et on dirait que tout le monde est d'accord. Petit navire, la mer vous inspire. Et découvrez nos nouveaux émiettés de saumon ou de maquereau. J'ai découvert Biol pour ma cicatrice et aujourd'hui je l'utilise pour tout le corps. Je viens juste de terminer mon premier flacon. Je suis vraiment ravie du résultat. Urgo présente... Pourquoi les gardes anglais ne parlent-ils jamais? À cause de leurs aft. Ça fait mal. Heureusement, Urgo a développé Filmogel Aft, un bouclier antidouleur efficace même pendant les repas. Dispositif médical. Tous vos mots méritent Urgo. Nouveau, Serengo, le magazine pour les plus de 50 ans. Ce mois-ci, arthrose. 25 conseils pour prévenir et soulager. Serengo, chez votre marchand de journaux. Ça n'est jamais agréable quand l'eau a du mal à s'écouler. Ça veut dire qu'un bouchon est en train de se former. Desktop Turbo, sa formule ultra concentrée traverse l'eau stagnante et élimine le bouchon en 5 minutes chrono. N'attendez pas, Desktop Turbo. Et chez vous, visiblement, il y a zéro bactérie. En revanche, dans vos tuyaux, ce n'est pas la même ambiance. Desktop Entretien Javel, c'est un gel épais qui s'infiltre en profondeur pour laisser vos tuyaux propres et désinfectés. Desktop Entretien Javel. Si Rondelet a ce goût inimitable, c'est grâce à ce qu'il y a dedans. Un ail parfumé venu tout droit de Garonne et des fines herbes fraîches pour un plaisir qui laisse sans voix. Rondelet ail de Garonne, succombez à son goût unique. Et Rondelet, c'est aussi toute une gamme de plaisirs savoureux. Laissez-vous séduire. Vous faites quoi ce week-end? Avec weekendesk.fr, choisissez votre hôtel et votre activité pour un week-end inoubliable et jusqu'à 50% moins cher. Avec Weekendesk, vivez plus qu'un week-end. Bon Weekendesk! Votre peau est si sèche que vous la cachez? Découvrez le nouveau Dove Soin et Huile sur Gras aux microbilles d'huile d'argan et aux huiles relipidantes. Il nourrit intensément et protège votre peau du dessèchement pour que vous soyez heureuse de la montrer. Nouveau Dove Soin et Huile sur Gras. Découvrez toute l'expertise Dove sur Gras pour les peaux sèches, ternes et agressées. Sublimez vos matins avec l'Inizio Lungo, un grand cru tout en douceur et en onctuosité. Découvrez l'ensemble de la gamme des Lungo. Nespresso, what else? Je n'ai pas le Wi-Fi, pas la 4G. Je n'ai pas d'écran tactile. Je ne peux pas vous dire combien de kilomètres vous avez couru hier. Et pourtant, à ma façon, je peux améliorer votre quotidien. Le parfait? Conservons ce que le monde a de meilleur. Retrouvez-nous sur leparfait.fr. Le président aux chèvres est surprenant et surtout délicieux, avec son moelleux et son goût finement typé. Urgo présente... Pourquoi les mariés se cachent-elles le visage? Pour masquer un vilain bouton. Oh, le stress! Heureusement, tadaan! Urgo a développé Filmogel Bouton, un film protecteur et invisible qui accélère la disparition des méchants boutons. Tous vos mots méritent Urgo. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Et c'est le moment de faire le point météo avec Patricia Charbonnier qui vous annonce le retour du beau temps, du grand beau temps. Oui, avec le soleil et les températures qui grimpent, qui vont grimper tout au long du week-end. Et en plus, le Mistral qui faiblit aujourd'hui en Méditerranée, un Mistral classique avec des 60 km/h en rafale, du grand soleil déjà ce matin sur une large moitié sud du pays. Ce soleil qui gagne du terrain vers le nord. On a simplement les résidus nuageux de la perturbation d'hier qui donnent encore pas mal de grisailles donc ce matin et localement encore de bons passages nuageux cet après-midi entre le nord et le nord-est du pays. Partout ailleurs, ce sera donc un temps très ensoleillé avec des températures déjà douces ce matin. On a relevé 11 degrés à Reims. Hier, à la même heure, on avait seulement 4 degrés à Reims, 14 degrés à Lille, 16 à Paris, 15 degrés à Brest, 21 à Nice. Et donc cet après-midi, on retrouve enfin des températures de saison quasiment partout. Ce sera un petit peu plus frais sur les côtes de la Manche, 19 degrés à Cherbourg, mais 23 degrés à Lille, 26 degrés à Paris, 24 à Strasbourg. Et dans le sud, déjà des températures comprises entre 26
c'est 30 degrés, 30 degrés de Bordeaux jusqu'à Perpignan. Ce n'est que le début. Ce week-end, ce sera vraiment très ensoleillé partout. Belles conditions météo anticycloniques avec simplement un petit voile nuageux. Quelques développements nuageux en montagne en fin de journée, notamment sur les Alpes et sur les Pyrénées. Des températures qui grimpent encore. Dimanche, encore une très très belle journée de plein été, estivale, donc avec du soleil partout, des températures encore qui grimpent. Et ça va continuer comme ça jusqu'à mardi inclus. À tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Merci pour ces bonnes nouvelles, Patricia. Ben, je vous souhaite bien commencer la journée, cette journée du vendredi 12 août 2016. Il est 7h. Voici le journal présenté par Estelle Colin. Bonjour Estelle. Bonjour Thierry. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le nombre à retenir ce matin, c'est 11. 11 médailles pour la France. C'était donc une très bonne journée à Rio. Le résumé avec Pauline Pidou. Une course très serrée. Français et Australiens se disputent la médaille de bronze en vitesse sur piste. Victoire pour les cyclistes tricolores grâce à l'accélération de Michael Delmedia dans les derniers mètres. Moins de suspense pour Florent Manaudou. Sans être inquiété par ses rivaux, le nageur se qualifie pour la finale du 50 mètres, avec un seul objectif, décrocher l'or olympique pour la deuxième fois consécutive. Il y a encore de l'émotion pour la 22e médaille olympique de l'inarrêtable Michael Phelps. Sous le regard de sa famille, il remporte la médaille d'or aux 200 mètres quatre nages, pour la quatrième fois consécutive du jamais vu. Il laisse derrière lui le japonais Kosuke Hagino et le chinois Wang Chun. Des figures époustouflantes. La puce de l'Amérique séduit le public. Avec le mouvement qui porte son nom, Simone Biles s'offre l'or au concours général de gymnastique. Elle confirme son statut de meilleure gymnaste de la planète, les larmes aux yeux. Un chant qui rentre dans l'histoire. Le rugby à 7 donne aux îles Fidji leur toute première médaille olympique et elle est en or. Pour célébrer cette victoire contre la Grande-Bretagne, le Premier ministre fidjien a même déclaré férié le jour du retour des athlètes. La moisson des Français a donc été fructueuse avec une médaille d'argent et une médaille de bronze, notamment en judo. Le détail avec Julien Benedetto et David Dameda. Incroyablement déterminée, Audrey Tchemeo est aux portes de l'or olympique. En tribune, l'espoir de toute sa famille. Mais en finale, la Française se fait piéger par l'Américaine Harrison sur une clé de bras. Audrey Tchemeo est vice-championne olympique 4 ans après sa médaille de bronze de Londres. J'ai fait 4 années, c'était vraiment dur. Et voilà, j'ai toujours eu la foi de ne pas baisser les bras et continuer. Voilà ce qui me recommence. Le championnat olympique, ça se prend quand même. Le hippon de la délivrance. Le jour de ses 29 ans, Cyril Marais décroche le bronze en moins de 100 kilos. Immense émotion dans les bras de sa compagne. Même si aujourd'hui j'étais venu pour être champion olympique, voilà, j'ai une médaille olympique autour du cou. C'est du bronze, mais ça reste une grande fierté. Cette médaille, elle représente quand même presque 10 années de travail. Les deux judokas ont fait vibrer les cœurs français et repartiront de Rio avec un petit morceau d'éternité. Et puis aujourd'hui, entrée en lice de Teddy Riner, notre colossal porte-drapeau tricolore, en s'offrant une deuxième médaille olympique. Teddy Riner pourrait se propulser dans la légende en devenant le poids lourd le plus titré de l'histoire. Manuel Tissier. Oui, c'est la journée des géants, un jour qui compte. Teddy Riner et Florent Manaudou ont rendez-vous avec l'histoire. Le porte-drapeau tricolore est arrivé à Rio la semaine dernière avec une seule idée en tête, conserver son titre olympique gagné à Londres il y a 4 ans. Il en a les moyens de devenir le plus grand judoka de l'histoire. Pour Florent Manaudou, le défi est de taille également, garder sa médaille d'or qu'il avait remportée lui aussi à Londres sur 50 mètres nage libre dans le bassin olympique. Et puis d'autres géants vont entrer en piste, ceux de l'athlétisme dans le stade olympique avec les premiers tours pour les reines du sprint. Le 100 mètres féminin débute ce soir.
Allez, un petit coup d'œil sur le tableau des médailles. La France recule à la 11e place avec toujours que 2 médailles d'or. Et puis sur le podium, encore un duel États-Unis-Chine devant le reste du monde. 16 médailles pour l'un et 11 pour l'autre. Et vous pouvez suivre les Jeux Olympiques, bien évidemment, en direct sur France Télévisions à partir de 13h. Dans l'actualité, sur le front des incendies, des renforts étaient encore attendus cette nuit dans les Pyrénées-Orientales. Près de 500 pompiers mobilisés, 1000 hectares de végétation sont partis en fumée. Christophe Petrou et Sylvain Dauba. C'est à minuit que l'incendie a été fixé. Fixé, cela veut dire que les pompiers en ont fait le tour, mais qu'il n'est pas complètement éteint. 300 pompiers qui ont lutté toute la nuit. Le bilan ce matin, ce sont 1100 hectares de garrigues et de chênes qui sont partis en fumée. La principale bataille, elle a eu lieu ici, à Rodez, dans ce village où nous nous trouvons. Les pompiers étaient positionnés partout dans le village. Certains habitants ont été incommodés par les fumées. Certains ont préféré rester confinés chez eux. D'autres ont évacué le village. Conséquence de ces flammes menaçantes, la nationale 116 a été fermée sur plusieurs points. Cela a créé d'importants embouteillages. Les automobilistes ont dû être hébergés dans des salles polyvalentes et des gymnases. Bonne nouvelle pour ce matin, le vent devrait être beaucoup moins fort et on attend ici l'arrivée de 2 Canadair et d'un hélicoptère bombardier d'eau dès le lever du jour. Une nuit sous haute surveillance dans les Bouches-du-Rhône où les pompiers sont encore mobilisés. Les incendies sont maîtrisés dans la quasi-totalité de la région. Certains départs de feu pourraient être d'origine criminelle. Julien Bigard, bonjour. Alors, comment s'est passée la nuit? Quel est le bilan ce matin? Eh bien, les pompiers sont restés mobilisés toute la nuit. Ils ont veillé pour que les nombreux fumerolles ne se transforment pas en un nouveau brasier. L'incendie reste donc maîtrisé, même s'il n'est pas encore totalement éteint. L'autre bonne nouvelle, eh bien, c'est le Mistral qui devrait tomber à partir d'aujourd'hui, ce qui devrait faciliter le travail des pompiers. Le dispositif a d'ailleurs été partiellement levé. Il n'y a plus que 1000 hommes présents sur le terrain contre 1800 auparavant. On n'est donc plus très loin de la fin de cet incendie et les habitants se déjà au travail pour tenter de reconstruire. C'est le cas notamment dans cette école située juste derrière moi, partiellement détruite par les flammes. Enfin, concernant l'enquête, la piste criminelle semble privilégiée. Un homme est soupçonné. Il a été placé en garde à vue. Merci beaucoup Julien, on vous retrouvera dans les prochaines éditions. Un mot sur vos conditions de circulation, ce sera orange aujourd'hui selon Bison Futé sur l'arc méditerranéen et vert au niveau national. Alors attention, ce sera rouge pour tout le monde demain dans le sens des départs et des retours. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour homicide involontaire à Rouen, 5 jours après l'incendie meurtrier dans un bar où 13 jeunes ont péri. Une jeune fille est toujours entre la vie et la mort. 200 personnes lui auront rendu hommage. Et puis Jacqueline Sauvage saura aujourd'hui si elle sera libérée. En effet, la justice doit trancher ce vendredi. Condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent, elle avait été graciée partiellement par François Hollande fin janvier. À l'étranger, en Thaïlande, double attentat dans une station balnéaire prisée des touristes au sud de Bangkok. Au moins 4 morts et 19 blessés. Les 2 engins explosifs ont été déclenchés dans une zone touristique à une demi-heure d'intervalle. Marine Candel. Une zone proche de la plage, fréquentée par de nombreux touristes et locaux. Venus célébrer ce week-end férié en Thaïlande à l'occasion de l'anniversaire de la reine, ils étaient nombreux hier soir à arpenter les rues de Hua Hin quand une première bombe explose. Puis une seconde, 30 minutes plus tard. Une vendeuse thaïlandaise a été tuée, 21 autres personnes blessées. Selon l'administration locale, les engins contenaient des billes en métal, activées par téléphone, les bombes étaient cachées dans les pots de fleurs. Plus tard dans la nuit, un Thaïlandais est mort dans une autre explosion. Ce matin, nouveau double attentat mortel à Hua Hin. 400 km plus au sud, une 5e explosion tue un employé municipal, une 6e fait un blessé léger à Phuket. Bilan de ces dernières 24 heures, 4 morts et plusieurs dizaines de blessés, dont 9 touristes étrangers. Une véritable attaque coordonnée qui pour l'instant n'a pas été revendiquée.
Et puis au Canada, cette fois-ci, la police fédérale a abattu mercredi un sympathisant de l'organisation État islamique. Selon les autorités, il s'apprêtait à commettre un attentat dans un centre commercial de Toronto. Ce Canadien radicalisé avait prêté allégeance au groupe État islamique dans une vidéo interceptée quelques heures plus tôt par le FBI, qui avait immédiatement alerté Ottawa sur cette attaque imminente. Et puis vous êtes peut-être concerné dans ce qui pourrait être le plus grand bug dans le secteur automobile. Le système d'ouverture et de fermeture à distance de nombreux modèles pourraient être piratés. Audi, Skoda, Renault, Fiat ou encore Ford, entre autres. Une faille pour plus de 100 millions de voitures dans le monde. Evelyne Goldman. Le vol de voitures avec effraction, c'est du passé. Aujourd'hui, les braqueurs ne laissent plus de traces. Ça se passe comme ça. Vous fermez votre véhicule avec votre clé électronique. Et c'est là que le pirate intervient. On a demandé à un expert en sécurité informatique de nous expliquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai brouillé le signal de fermeture entre la clé et votre voiture. Ce qui fait que vous avez cru fermer votre voiture, mais en réalité, elle ne s'est pas fermée. Voyez, si je retente quelques fermetures, la voiture n'entend rien, elle ne se ferme pas. Et donc actuellement, elle est toujours ouverte et je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Selon des chercheurs allemands et américains, cette faille permet de déverrouiller le boîtier à distance. Elle concerne 100 millions de véhicules, presque toutes les voitures des grands constructeurs sont citées dans leur rapport. Mais particulièrement facile à pirater, les Golf Volkswagen conçus depuis 1995. Seule solution contre ces vols sans effraction, revenir au système mécanique ou ne rien laisser traîner dans sa voiture. Et puis une image pour terminer, Thierry, l'immense joie d'un village fidjien, de 400 habitants qui fête la première médaille d'or olympique remportée par des sportifs de cette île. L'équipe de rugby à 7 fidjienne a battu les Anglais 43-7. Deux joueurs de cette équipe de rugby sont issus de ce petit village. Voilà, c'est la fin de cette édition. Thierry, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Estelle. Oui, les Fidji qui ont tant de mal à gagner en rugby à 15 et qui, là, sont médaille. Ouais, magnifique victoire. Son médaille d'or. Bravo. Voilà, et si on nous regarde, aux îles Fidji, on vous embrasse très fort. Voilà, puisqu'on nous regarde partout. Donc, normalement, on devrait regarder Aurélia Bloch. Normalement. Voilà, Aurélia qui va nous rejoindre pour une petite balade d'été, une petite balade nocturne. Ça pourrait faire un beau concert là où vous nous emmenez, dedans, puisque nous allons découvrir le château de Saint-Fargeau. En Lyon, alors, le château de Saint-Fargeau, vous voyez un peu Auxerre, voyez un peu. Vous faites 2 heures de route quand vous quittez Paris et vous vous retrouvez du coup à Saint-Fargeau, dans un château qui a 1000 ans d'histoire. Alors pourquoi je vous dis 1000 ans d'histoire? Parce que justement, le propriétaire du château, avec son frère, quand il l'a acheté en 1979, s'est dit on n'a pas vraiment les moyens de le retaper tout seul, et en même temps, on n'a pas besoin de subventions, on va faire en sorte de faire, de rassembler tous les gens de la commune pour que ça soit un événement et pour en faire un spectacle, 1000 ans d'histoire, qui va financer la rénovation de ce château. Et ça fait vraiment... En fait, je ne vais pas du tout être dédaigneuse quand je vais dire ça. C'est comme si vous ouvriez un livre, l'histoire pour les nuls, et que vous redécouvriez l'histoire, mais alors vraiment avec beaucoup d'art, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, puisque ce sont tous les gens des alentours qui se réunissent pour jouer ces participants de l'histoire. Ils sont 600 sur l'esplanade du château et c'est vraiment un très beau spectacle à découvrir. Il y a des scènes magnifiques, on a l'impression de voir un spectacle vivant, mais en même temps des tableaux. On voit du Jérôme Bosch, parce qu'il y a vraiment des belles scènes médiévales. Il y a même des tableaux Renaissance et puis la Révolution, on voit des Delacroix même. Vivant. Je vous laisse découvrir ce spectacle vivant, hors normes, et puis surtout pour tous les âges. Lorsque la nuit tombe au château, 1000 projecteurs s'allument, c'est notre grand spectacle. 700 acteurs, 50 chevaux, depuis des décennies, nous donnons cette grande fresque visuelle qui raconte l'histoire mouvementée et tumultueuse de ce grand château qui est un des plus grands châteaux de France.
et vont revivre leur histoire. Le spectacle de Saint-Fargeau, c'est 1000 ans d'histoire. À l'aube de l'an 1000, Saint-Fargeau appartient à un évêque chasseur, beaucoup plus soucieux des plaisirs de la chasse que de son ministère. Parmi les grandes scènes qui sont données à travers ce spectacle, il y a une grande scène médiévale avec un tournoi, une course de quintaine, des chevaux qui galopent bride abattue, étendard au vent. Pour Marie-Louise de Bourbon-Montpensier, cousine du roi et duchesse de Saint-Fargeau, c'est l'exil en ces terres de Puisaye. Et puis la grande mademoiselle arrive, propre cousine germaine du roi Louis XIV. Elle a fait donner le canon sur les troupes du roi pendant la Fronde. Louis XIV n'a pas apprécié. Il l'envoie 5 ans en exil à Saint-Fargeau, où elle fait venir Madame de Sévigné, Molière, toute une cour extraordinaire. Et puis, il y a l'aventure romanesque du régicide, le pelletier de Saint-Fargeau, qui, à l'époque de la Révolution française, rejoint les rangs des montagnards et vote la mort du roi. Donc, une histoire extrêmement riche qui donne lieu à ces tableaux assez extraordinaires. C'est un spectacle à forte connotation culturelle parce que toutes nos illustrations musicales sont piochées dans le répertoire classique et lyrique. Elle fait connaître aux Anglais l'âcre goût de la défaite. Vous avez beaucoup de gens modestes qui n'ont jamais l'occasion de voir un opéra ou assister à un concert et qui connaissent par cœur un concerto de Mozart ou une ouverture de Tchaïkovski parce que pour eux c'est lié à des images. Et en ça, il y a une forte connotation culturelle. Vrai spectacle géré par les gens de la commune, il faut exactement bien le préciser. Hein. Ils sont 600 chaque année. Alors c'est une grande messe pour eux, vraiment. Ils attendent chaque année, chaque été de se rassembler. Ils sont comme 600. Ils font ça de petits-enfants en enfants, en arrière-petits-enfants. Ils se retrouvent tous. C'est vraiment une grande fête, aussi bien pour eux que surtout pour le public quand même. Je vous invite à le découvrir très vite. Le flambeau de père en fils pour une très très belle scénographie. Hein, vraiment, merci beaucoup Aurélia Bloch. C'est à Saint-Fargeau et c'est jusqu'au 20 août. Ouais, faut se dépêcher, voilà. Sinon ça sera l'année prochaine. Et maintenant on passe à la revue de presse et là c'est tout de suite avec Frédéric Vion. Bonjour Frédéric. Alors, bonjour. Pour commencer aujourd'hui. Oui, je commence par un grand article à propos des États-Unis. Mais en fait, vous allez voir que ça parle aussi de nous, puisque les évolutions de société qui naissent en Amérique arrivent presque toujours en Europe quelques temps après. Et donc, lisons ce grand article de Libération. Ils ont demandé à un écrivain américain sa vision des années Obama, maintenant que le double mandat de Barack Obama approche de sa fin. Cet écrivain explique qu'en 2008, lors de l'élection d'Obama, il était enthousiaste et qu'il pense toujours que ça a été un progrès sur certains points. Cependant, dit cet écrivain, quand on regarde les chiffres, les données concrètes, il faut bien, hélas, reconnaître que ces 8 années de présidence sont beaucoup moins enthousiasmantes. À Los Angeles, par exemple, le nombre de SDF a augmenté de 19% pendant la présidence Obama. Le prix d'une maison a augmenté de 60%, c'est-à-dire que la plupart des travailleurs ne peuvent plus désormais acheter un logement. Alors bien sûr, ce n'est pas personnellement la faute de Barack Obama, mais ça explique une partie de la haine envers lui, de la classe ouvrière blanche. Voyez ce titre, cette classe ouvrière qui soutient actuellement Donald Trump. Ce qui se passe, explique l'écrivain, c'est que voilà maintenant 40 ans que nous détricotons la société. Beaucoup de gens l'ont oublié, mais avant les années 80, les impôts des riches était très élevé, même aux États-Unis, avec un système beaucoup plus redistributif qu'aujourd'hui. Puis sont arrivés Ronald Reagan ou Margaret Thatcher en Angleterre, qui ont restructuré la société occidentale en faveur des plus riches. Et les hommes politiques, Barack Obama pas plus qu'un autre, n'ont jamais pu arrêter cette tendance, cette évolution du capitalisme. Je cite cet article. Nous sommes une époque de paradoxe, dit-il, parce que, bien sûr, certaines choses ont avancé, notamment les mœurs. Les États-Unis, comme l'Europe, sont aujourd'hui beaucoup plus ouverts vis-à-vis du mariage homosexuel. Les minorités ethniques sont devenues beaucoup plus visibles dans le show business ou le monde économique. Mais la classe ouvrière, ce qu'on appelle parfois les petits blancs,
la classe ouvrière se rappelle l'époque d'autrefois où l'État était puissant, je cite l'article, où les logements étaient bon marché, où les écoles publiques étaient d'un bon niveau, où les emplois ouvriers étaient valables, etc. Ça n'est certainement pas Donald Trump qui va revenir à ce système ancien, parce que lui, il est ultra-libéral, c'est le candidat des riches, dénonce Hillary Clinton, voyez un article du journal Les Échos, mais... Si la classe ouvrière américaine soutient Trump dans les sondages, c'est parce qu'elle ne sait plus à quel sein se vouer. Ces articles parlent des États-Unis, mais je vous le disais, ne parlent-ils pas aussi beaucoup de nous ? Autres articles sur le même thème dans La Croix et dans Le Figaro à propos des migrants, cette fois les campements improvisés de migrants, que ce soit en Italie, nous dit La Croix, ou bien au cœur de Paris, nous dit Le Figaro. Alors il n'est pas question dans ces articles de stigmatiser les migrants qui sont des gens qui fuient la guerre ou la misère, mais ce qui est frappant, vous le voyez dans la carte du Figaro qu'on va voir en plus gros, c'est que la totalité à Paris de ces campements s'installe dans les quartiers populaires, dans les quartiers pauvres, le quartier Stalingrad, celui de la Chapelle, le 18e arrondissement, là aussi on revient au même sujet, c'est dans les quartiers déjà pauvres que la misère vient s'accumuler. Je reviens au journal Les Échos qui estime lui aussi que le rejet des dirigeants politiques de tous bords par les électeurs des pays occidentaux vient en partie de cette mondialisation si inégalitaire. Certains libéraux prétendent, dit l'article, que la mondialisation au final bénéficie à tout le monde, mais en réalité ils n'en savent rien, écrit le journal Les Échos, qui pourtant n'est pas un journal de gauche. Figurez-vous même que par rapport au niveau de vie de l'époque, le revenu des travailleurs était plus élevé il y a 40 ans qu'aujourd'hui. La classe ouvrière gagne moins aujourd'hui qu'il y a 40 ans et pendant ce temps, nous rappelle La Croix, pendant ce temps, grâce à des montages financiers que l'on connaît pourtant bien maintenant, Airbnb, pour ne citer que lui, ne paye que 69 000 euros d'impôts, c'est-à-dire énormément moins que cette société devrait normalement payer en France. Ça fait longtemps qu'on le sait et pourtant rien ne change, article que vous trouverez dans La Croix. Et on vous retrouvera, nous, tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Merci beaucoup, Frédéric. Laura Tenoggi va nous parler d'une nouvelle plateforme Internet assez originale pour celles et ceux qui n'ont pas de jardin, mais qui aimeraient bien quand même s'offrir une petite escapade champêtre, un petit barbecue. Eh bien, vous allez voir que c'est possible. Laura. Jardinprivé.com est un site internet de location de jardins entre particuliers qui permet donc de réserver un jardin pour l'organisation d'un événement privé, entre amis ou en famille. C'est une expérience personnelle. Maman et moi vivions en appartement à Paris et nous sommes revenus vivre dans notre maison. Nous avons redécouvert notre jardin. Et c'est là que maman a eu l'idée de créer notre plateforme internet. J'ai tout de suite adhéré au projet. Nous avons tout type de jardins sur notre plateforme. Le site est ouvert à tous les jardins de France. Il y a des terrasses, des jardins, un pont de bateau qui a été récemment déposé et un très très grand jardin de 5000 m². Donc ça varie vraiment en termes de superficie. Ça peut être un jardin de 30 m² jusqu'à 5000 m². Les propriétaires déposent leur annonce sur la plateforme, créent un compte, déposent des photos, la capacité d'accueil, l'équipement de son jardin. Et le locataire consulte les annonces, regarde la superficie et réserve le jardin directement en ligne sur la plateforme. Et il peut aussi rentrer en contact avec le propriétaire pour demander plus d'informations sur la location. Les propriétaires fixent eux-mêmes leur prix. Ça varie donc selon aussi la capacité d'accueil et l'équipement. Donc un jardin d'environ 30 m² avec un barbecue, c'est 50 euros. Et un jardin de 350 m² avec piscine, ça équivaut à 200 ou 300 euros. C'est un prix à la journée, mais il est possible que le locataire réserve un jardin pour une soirée. Le site est entièrement gratuit, donc pour les propriétaires comme pour les particuliers. C'est quand même une idée formidable. Donc si vous avez besoin de renseignements, vous allez sur le site de Télématin. Merci beaucoup Laura. On passe à la météo à présent avec Patricia Charbonnier. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Pour revenir à ce que nous proposait Laura, alors là, si on veut faire un petit barbecue,
s'évader, se balader, aller dans son jardin, on pourra le faire, il va faire beau. Oui, beau et chaud, conditions météo parfaites ce week-end pour le barbecue, l'anticyclone qui revient avec du soleil dès ce matin sur une large moitié sud et vous le voyez que par rapport à hier, le soleil gagne du terrain vers le nord du pays. On a encore les résidus nuageux de la perturbation d'hier qui s'attardent un petit peu, hein, ces nuages sur les frontières du nord ce matin et sur le quart nord-est du pays. Mais cet après-midi, progressivement, l'anticyclone va revenir par la côte atlantique. On va retrouver un temps de plus en plus ensoleillé, un petit peu moins de vent quand même, enfin, bonne nouvelle, en Méditerranée, le Mistral, Mistral classique aujourd'hui, jusqu'à 60 km/h en rafale, et un Mistral qui devrait complètement tomber à partir de ce soir et demain, avec des températures qui sont plus douces ce matin, avec 11 degrés à Reims, 15 à Paris, 20 degrés à Nice. Cet après-midi, on retrouve des températures de saison quasiment partout, 26 degrés à Paris, 24 degrés à Strasbourg, et de 26 jusqu'à 30 degrés sur la moitié sud du pays. À tout à l'heure. C'était la météo, avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Et si vous profitiez des meilleurs services de la banque en ligne ? Avec Before Bank, vous pouvez tout gérer depuis votre mobile, comme modifier le montant de votre découvert et être accompagné par des conseillers disponibles jusqu'à 21h. Before Bank, mon banquier, c'est moi. Et 120 euros offerts pour une première ouverture d'un compte bancaire et d'un livret épargne. Les peaux sensibles ont droit à un déodorant efficace. Nouveau déo Dermato Cavaillès sans sel d'aluminium. Avec sa nouvelle formule, il est 50% plus efficace. Plus de protection et plus d'efficacité. Nouveau déo Dermato Cavaillès, par amour des peaux sensibles. Votre peau est si sèche que vous la cachez ? Découvrez le nouveau Dove Soins et Huiles sur Gras aux microbilles d'huile d'argan et aux huiles relipidantes. Il nourrit intensément et protège votre peau du dessèchement pour que vous soyez heureuse de la montrer. Nouveau Dove Soins et Huiles sur Gras. Découvrez toute l'expertise Dove sur Gras pour les peaux sèches, ternes et agressées. Mont Blanc ! Mont Blanc ! Mont Blanc ! Le Mont Blanc ! C'est aussi une usine exceptionnelle ! C'est ici que la nature fabrique l'eau minérale naturelle Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc. La pureté atteint des sommets. Mon nom c'est Handy, Handy Bag. Je lutte contre les odeurs qui te donnent mal au cœur. Avec moi tes déchets resteront bien cachés. Je suis pas une balance, moi je ne laisse rien fuiter. Nouveau, Handy Bag dévore odeur. Le premier sac avec système absorbeur d'odeur. Sublimez vos matins avec l'Inizio Lungo, un grand cru tout en douceur et en onctuosité. Découvrez l'ensemble de la gamme des Lungo. Nespresso, what else? Un spray parfumé classique, ça contient de l'eau, qui finit par retomber. Ce qui peut gâcher le plaisir du parfum. Air Wick a créé Pure, le seul spray sans eau, donc sans retombée humide. Pour profiter de tout le plaisir du parfum. Air Wick Pure, du parfum, pas de retombée humide. Nouveau Sun Expergel. Aux perles d'oxygène actif, enlève les taches les plus tenaces. Wow ! Pour un résultat parfait sans résidus. Société Crème. Peu importe le moment. Peu importe l'endroit, pourvu qu'on ait la force du goût. Société Crème, sa force, c'est son goût. Je n'ai pas le Wi-Fi, pas la 4G. Je n'ai pas d'écran tactile. Je ne peux pas vous dire combien de kilomètres vous avez couru hier. Et pourtant, à ma façon, je peux améliorer votre quotidien. Le parfait ? Conservons ce que le monde a de meilleur. Retrouvez-nous sur leparfait.fr. Dis donc, ta brosse à dents, elle est rigolote, hein. Elle est surtout très maligne. Ce côté nettoie les dents, et ce côté-là chasse les monstres des joues. Les monstres des joues ? Les bactéries existent dans les joues. Avec la nouvelle Signal Double Face, vous vous débarrassez des bactéries pendant le brossage. Bah c'est quoi ça ? C'est pour se débarrasser des plus gros monstres des joues. Nouvelle Signal Double Face, deux fois plus d'action nettoyante. Thank you.
Irrésistible tentation. Ce soir, Shérif. On enquête sur la mort de Corinne Muller. On l'appelait la Madone des routiers. Ça se voyait qu'elle était pas bien avec son mec. Elle a menti sur ce qu'elle faisait, où elle allait. Les patronnes de routiers, ça entend des trucs. Surtout si elle met les clients en confiance. On a un permis de conduire, une voiture achetée en douce et un compte en banque perso. Les 8000, c'est une sorte d'avance. Ça fait des sacrés pourboires pour des routiers. Shérif, trois enquêtes du poids lourd de la crime. Ce soir, à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Profitez de votre soirée en regardant votre série avec Gardena, spécialiste des produits d'arrosage. Télématin continue avec les confitures au chaudron, Lucien Georgela. Télématin continue avec le Monde Festival. Et vous êtes les bienvenus si vous commencez la journée avec Télématin. On vous accompagne comme ça jusqu'à 9h25. Il est 7h30. Voici le journal présenté par Justine Weil. Bonjour Justine. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Le ciel s'éclaircit pour les Bleus à Rio. 5 médailles raflées en une seule journée pour les athlètes tricolores. De l'argent, du bronze en judo, vélo, aviron. Le point sur les victoires françaises et les autres résultats de la nuit avec Pauline Pidou. Une course très serrée. Français et Australiens se disputent la médaille de bronze en vitesse sur piste. Victoire pour les cyclistes tricolores grâce à l'accélération de Michael Dalmédia dans les derniers mètres. Moins de suspense pour Florent Manaudou. Sans être inquiété par ses rivaux, le nageur se qualifie pour la finale du 50 mètres avec un seul objectif, décrocher l'or olympique pour la deuxième fois consécutive. Il y a encore de l'émotion pour la 22e médaille olympique de l'inarrêtable Michael Phelps. Sous le regard de sa famille, il remporte la médaille d'or aux 200 mètres 4 nages. Pour la quatrième fois consécutive, du jamais vu. Il laisse derrière lui le japonais Kosuke Agino et le chinois Wang Shun. Des figures époustouflantes. La puce de l'Amérique séduit le public. Avec le mouvement qui porte son nom, Simone Biles s'offre l'or au concours général de gymnastique. Elle confirme son statut de meilleure gymnaste de la planète, les larmes aux yeux. Un chant qui rentre dans l'histoire. Le rugby à 7 donne aux îles Fidji leur toute première médaille olympique. Et elle est en or. Pour célébrer cette victoire contre la Grande-Bretagne, le premier ministre fidjien a même déclaré férié le jour du retour des athlètes. Et parmi les médailles gagnées par la France, deux font particulièrement du bien. L'argent d'Audrey Tchemeo et le bronze de Cyril Marais au judo. Cette discipline dans laquelle les Français excellent en temps normal, mais qui a connu un début de compétition bien difficile à Rio. Julien Benedetto et David Dameda. Incroyablement déterminée, Audrey Tchemeo est aux portes de l'or olympique. En tribune, l'espoir de toute sa famille. Mais en finale, la Française se fait piéger par l'Américaine Harrison sur une clé de bras. Audrey Tchemeo est vice-championne olympique 4 ans après sa médaille de bronze de Londres. J'avais 4 années, c'était vraiment dur. Voilà, j'ai toujours eu la foi de ne pas baisser les bras et continuer. Voilà, c'est une belle récompense. Le championnat olympique, ça se prend quand même. Le hippon de la délivrance. Le jour de ses 29 ans, Cyril Marais décroche le bronze en moins de 100 kilos. Immense émotion dans les bras de sa compagne. Même si aujourd'hui j'étais venu pour être champion olympique, voilà, j'ai une médaille olympique autour du cou. C'est du bronze, mais ça reste une grande fierté. Cette médaille, elle représente quand même presque 10 années de travail. Les deux judokas ont fait vibrer les cœurs français et repartiront de Rio avec un petit morceau d'éternité. Et judo toujours avec l'entrée en lice aujourd'hui de Teddy Riner. Le géant est attendu à 15h heure française, match que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes. On voit tout le programme du jour avec Manuel Tissier. Oui, c'est la journée des géants, un jour qui compte. Teddy Riner et Florent Manaudou ont rendez-vous avec l'histoire. Le porte-drapeau tricolore est arrivé à Rio la semaine dernière avec une seule idée en tête, conserver son titre olympique gagné à Londres il y a 4 ans. Il en a les moyens. Les moyens de devenir le plus grand judoka de l'histoire. Pour Florent Manaudou, le défi est de taille également.
garder sa médaille d'or qu'il avait remportée, lui aussi à Londres, sur 50 mètres nage libre dans le bassin olympique. Et puis d'autres géants vont entrer en piste, ceux de l'athlétisme dans le stade olympique, avec les premiers tours pour les reines du sprint. Le 100 mètres féminin débute ce soir. Allez, un coup d'œil sur le tableau des médailles. Les États-Unis sont toujours en tête avec 16 médailles d'or. Deuxième, la Chine, 11. Troisième, le Japon, 7. Et malgré les 5 médailles remportées cette nuit, la France recule encore d'une place. Nous sommes 11e car toujours pas de nouvelles médailles d'or. Retour en France après les Bouches-du-Rhône. Les Pyrénées-Orientales sont en proie aux incendies. 1100 hectares brûlés, des habitations menacées. Sur place, Christophe Pétraud et Sylvain Dauba. C'est à minuit que l'incendie a été fixé. Fixé, cela veut dire que les pompiers en ont fait le tour, mais qu'il n'est pas complètement éteint. 300 pompiers qui ont lutté toute la nuit. Le bilan ce matin, ce sont 1100 hectares de garrigues et de chênes qui sont partis en fumée. La principale bataille, elle a eu lieu ici, à Rodez, dans ce village où nous nous trouvons. Les pompiers étaient positionnés partout dans le village. Certains habitants ont été incommodés par les fumées. Certains ont préféré rester confinés chez eux. D'autres ont évacué le village. Conséquence de ces flammes menaçantes, la nationale 116 a été fermée sur plusieurs points. Cela a créé d'importants embouteillages. Les automobilistes ont dû être hébergés dans des salles polyvalentes et des gymnases. Bonne nouvelle pour ce matin, le vent devrait être beaucoup moins fort et on attend ici l'arrivée de deux Canadair et d'un hélicoptère bombardier d'eau dès le lever du jour. Et du côté de Marseille, les incendies ont détruit plus de 3000 hectares. Tous les foyers sont désormais maîtrisés. Place à l'enquête. Pour en savoir plus, on retrouve à Vitrolles Julien Bigard. Julien, bonjour. La piste criminelle serait privilégiée. Oui, effectivement. Et un homme est particulièrement soupçonné. Il aurait été vu non loin d'un nouveau départ de feu. Il aurait été dénoncé par des habitants. Il a été placé en garde à vue. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend beaucoup ici à Vitrolles. Beaucoup sont persuadés que cet incendie est d'origine criminelle tant il a été violent. La peur du pillage se fait aussi sentir en même temps qu'un sentiment de colère est en train de monter. Certains habitants qui ont dû affronter les flammes parfois pendant plusieurs heures avec leurs propres moyens, parfois avec un simple tuyau d'arrosage, se sont sentis délaissés. Ils reprochent un manque de moyens comme le nombre de Canadair, mais aussi le retard des pompiers. Vous l'avez compris, l'incendie n'est pas encore totalement éteint, qu'une polémique est déjà en train de naître. Merci beaucoup Julien. Un mot de la circulation. Attention si vous prenez la route ce week-end. Aujourd'hui, autour de la Méditerranée, la circulation sera difficile. Bison futé, voie orange. Demain, c'est pire. La journée est classée rouge dans l'ensemble du pays pour les départs et les retours. À l'étranger, plusieurs bombes ont explosé en Thaïlande hier soir et ce matin. Le bilan provisoire est de 4 morts et plusieurs blessés, notamment des touristes. Les explosions ont eu lieu dans des stations balnéaires très prisées. Aucune revendication pour le moment, mais selon la police, il s'agirait plus de sabotage local que de terrorisme international. Étranger toujours avec cet attentat déjoué au Canada, la police fédérale a abattu hier soir un homme se revendiquant de l'organisation État islamique. Selon les autorités, il s'apprêtait à passer à l'acte au sud de Toronto. C'est grâce à une vidéo dans laquelle il prêtait allégeance aux djihadistes que les policiers l'ont repéré. Santé pour finir, des paraplégiques paralysés depuis des années ont pu retrouver des sensations et le contrôle partiel de leurs jambes grâce à une nouvelle technique de rééducation cérébrale et physique. Christian Mpanzou revient sur cet espoir médical. C'était il y a 2 ans. Un paraplégique donne un coup d'envoi fictif lors de la Coupe du Monde au Brésil. Un coup de pied rendu possible par une très récente technique utilisant la réalité virtuelle. Selon une étude publiée hier dans le magazine américain Scientific Reports, cette innovation permettrait aux patients de retrouver une capacité de mouvement des membres inférieurs après de nombreuses heures d'entraînement. Ce système consiste à immerger le patient dans la réalité virtuelle. Le cerveau réapprend à visualiser un mouvement et après plusieurs mois, voire même plusieurs années d'exercice, certains patients tentent quelques pas avec une assistance humaine et l'aide d'un exosquelette. L'avancée est considérable, les scientifiques se félicitent d'un tel progrès, mais restent tout de même très prudents.
C'est la fin de cette édition. À tout à l'heure, Thierry. À tout à l'heure, Justine. Nous continuons pour la prochaine demi-heure, si vous faites le plaisir d'être des nôtres. Eh bien, je vous emmène tout de suite avec Marie-Dominique Perrin. On va aller découvrir une ville incroyable, mal connue. Voilà, je vais le préciser. Ça fait partie de ces villes qu'on connaît mal et qui sont sublimes à découvrir. Bonjour Marie-Dominique Perrin. Vous voyez, bonjour. J'installe le décor, moi, après je vous laisse faire. Eh ben voilà. Donc j'ai dit que ça allait être superbe, mais je ne vous ai pas encore dit où on allait. Et c'est Marie-Marido qui va le dire. On va aller à Saint-Nazaire, sur l'estuaire de la Loire, alors que c'est vrai qu'elle fait partie de ces villes comme Le Havre, comme Royan, détruites par la guerre, 85%, c'est pas rien. Et donc après, un petit peu reconstruite, pas forcément la reconstruction, c'est toujours un peu contesté dans ces années-là, vous savez. Et puis en fait, c'est une ville qui gagne vraiment, vraiment à être connue. Alors, aujourd'hui, par exemple, le carnet de commandes des constructions navales est plein. C'est là d'où partent tous ces géants des mers, jusqu'à 6000 personnes. Ce sont des villes des villes sur l'eau. Et puis, c'est vrai que, au départ, c'était la gare des transatlantiques qui partait vers l'Amérique du Sud. Alors, on peut visiter ce site. On peut aussi visiter Escale Atlantique, qui est en fait dans l'ancien bunker des Allemands. Pendant la guerre, on l'a réhabilité. Et là, eh bien, on peut voir in situ vivre ces départs sur les transatlantiques, les beaux transatlantiques comme le France, le Normandie, etc. Et puis, c'est pas tout. Il y a des parcours dans la ville. Il y a des pêcheries qui ont été réhabilitées sur les quais. Et puis, une séquence nostalgie avec les vacances de Monsieur Hulot. Regardez. Saint-Nazaire, c'est un port marchand, c'est surtout une ville de constructeurs et évidemment c'est la grande ville française des fameux chantiers navals. Avec un carnet de commandes vraiment exceptionnel, un plein pour 10 ans jusque dans les environs de 2025-2026, donc des paquebots pour la MSC et le sister ship, le frère jumeau d'Harmony of the Seas. C'est un formidable vecteur touristique puisque les chantiers sont ouverts aux visites. Vraiment un circuit qui permet d'être immergé au cœur de la construction des paquebots. Nous sommes sur le toit de la base sous-marine, donc la plus grande fortification de la Seconde Guerre mondiale en Europe, construite par les Allemands et qui a en remplacé en fait la gare de la Compagnie Générale Transatlantique, d'où partaient les paquebots pour l'Amérique centrale. Cette base sous-marine a 4 toits successifs, car plus les bombes alliées étaient puissantes, plus les Allemands perfectionnaient la forteresse. Donc ils ont préféré détruire les villes pour rendre les bases difficilement utilisables. Progressivement, la base est devenue abandonnée. Puis dans les années 90, la ville a décidé de la reconquérir et d'en faire un lieu, cette fois-ci stratégique, mais de stratégie touristique et culturelle. On y trouve Escale Atlantique, consacrée à l'histoire et la légende des grands paquebots transatlantiques, qui est un peu le fer de lance du tourisme nazérien. Pour le visiteur, il va passer à travers les murs du blockhaus, où il va se retrouver dans le hall d'un navire en partance dans les années 30. Les paquebots les plus fameux, c'est bien sûr l'île de France, des années 20, le Normandie dans les années 30 et le France des années 60. On devient un passager du temps et on part en croisière à travers plein d'époques différentes. Dans le sillage des musiciens du festival Les Escales, des artistes venus du monde entier laissent une trace de leur passage. L'an dernier, les Chiliens ont investi les quais. Cette année, c'est une jeune artiste sud-africaine qui s'y est collée. Et puis, il y a le parcours Tintin. Saint-Nazaire étant l'une des rares villes qu'Hergé a réellement dessinées, dans l'album Les 7 boules de cristal. Saint-Nazaire, c'est une ville qui cultive sa différence. Alors la différence, c'est la reconstruction. C'est les années 50. C'est une ville qui a fait protéger énormément de lieux au titre de patrimoine du XXe siècle. Saint-Nazaire, point de départ des transatlantiques, mais terminus de la Loire à vélo. Et sur le front de mer, il y a à voir.
avec les anciennes pêcheries réhabilitées. Une partie de pêche au Carlet, ça vous dit? On peut même y dormir aussi. C'est une ville qui a plus de 12 km de littoral, qui a plus de 20 plages, qui est pavillon bleu depuis l'année dernière et qui a entièrement reconquis l'ensemble de son ouverture sur la mer. Et pour les vacanciers de l'été, goûtez à l'atmosphère des vacances de Monsieur Hulot, de la plage de Saint-Marc-sur-Mer qui a séduit Jacques Tati dans les années 50, c'est toujours un must. Faire un tour de manège, s'agiter sur la plage, se baigner, surveillé par l'homme à la pipe, c'est un privilège, comme une Madeleine de Proust qui n'aurait pas pris une ride. Vous voyez que si vous allez à Saint-Nazaire, il y a de quoi faire quand même. Hein. Ah bah, c'est formidable, voilà. Il y a 20 km de plage en plus. Hein. Et puis Monsieur Hulot qui vous surveille toujours du haut de la plage. Voilà, le street art, de quoi visiter les bateaux, le Normandie, le France, et tout. Non, c'est superbe. Hein. Ouais, merci beaucoup. Une belle destination d'été. Merci beaucoup. Tiens, on va camper. Oui, enfin, oui, bah, c'est la fin de notre voyage à travers les campings du monde entier. Et vous allez voir que c'est un monde, le camping. Et en Espagne, c'est assez particulier. En Espagne, on va plutôt parler de glamping. Regardez. Le jour se lève sur la Sierra Andalouse. À une heure de route de Malaga, voici un camping pas comme les autres. Ici, il faut se faufiler sous les orangers pour découvrir son lit, sous l'une de ses tentes qui reste toute l'année. Ce sont des oranges à jus, celles-ci, non? Ce concept, c'est Benjamin qui en a eu l'idée il y a 6 ans. Et chacune de ses journées commence désormais par la récolte des fruits. On a choisi de placer les tentes au milieu des arbres. Il fait très chaud ici l'été et on cherche tous de l'ombre. On a trouvé que c'était une bonne idée de profiter de l'ombre que donne naturellement la nature. Il faudra aller chercher les courgettes maintenant, non? Quand Benjamin n'est pas au jardin, il reçoit les hôtes. Dans ce camping de luxe, l'accueil est personnalisé. Radu et Iris viennent du Pays de Galles et ils sont un peu stressés à l'idée de dormir dehors. Quand il m'a dit qu'on allait dormir deux nuits sous la tente, j'ai eu peur. Moi, j'ai jamais dormi sous une tente. Ça va être une première. Vivre une expérience insolite au cœur de la nature, c'est le principe même du glamping. Pour Benjamin, il s'agit de créer un subtil mélange de simplicité et de luxe. Donc chaque tente comprend un hamac de place, il n'y a pas d'électricité. Donc pour recharger votre portable, vous devez aller à la réception. C'est une expérience romantique. Je crois qu'en plus, notre tente s'appelle la tente de l'amour. On voulait vivre quelque chose de différent de ce qu'on fait d'habitude en vacances. Un jus d'orange frais? Un service 5 étoiles au beau milieu d'un camping, une expérience inattendue pour ces Anglais. J'adore le camping traditionnel, mais c'est très fatigant. Il faut souvent prendre d'autres vacances pour s'en remettre. Le glamping, c'est plus confortable. Un confort qui vaut tout de même 75 euros la nuit. Malgré tout, le glamping représente l'avenir pour ce jeune chef d'entreprise. Basé à Séville, il est l'inventeur de la première plateforme mondiale de ces hébergements insolites. Il a déjà déniché 5000 logements dans 80 pays. On a des logements disponibles un peu partout, surtout en France. Les Français aiment beaucoup le contact avec la nature. Vous voyez ici la carte? Et voici tous les genres de logements qu'il y a. Des tentes, des cabanes dans les arbres, des yourtes. À la nuit tombée, Radu et Iris rejoignent leur tente à la lumière des bougies. Ces novices du camping s'endormiront ce soir au son des grenouilles. Voilà, si ça vous intéresse, le glamping, glamour et camping, c'est en Espagne. Un sujet de Sandrine Mercier et Virginie Goubier. Et si vous êtes intéressé par les dernières nouvelles de Rio, eh ben on va retrouver Arnaud Ursule dans un petit instant. A tout de suite.
pouvoir est en vous. CB12, haleine ultra fraîche, votre dose quotidienne de confiance. Quand vous nettoyez, l'effort semble interminable. Changez pour Carolin Ultra Dégraissant, super efficace grâce à son action immédiate. Il dissout la saleté sur toutes les surfaces. Nettoyez enfin sans effort. Carolin, l'efficacité sans effort. Sublimez vos matins avec l'Inizio Lungo, un grand cru tout en douceur et en onctuosité. Découvrez l'ensemble de la gamme des Lungo. Nespresso, what else? Ce mois-ci, découvrez votre nouveau plein de vie avec ses 8 fiches santé. Arthrose, 18 pages exclusives de conseils antidouleurs et de solutions médecine douce. Droit, énergie, impôts, santé, 50 fiches pour optimiser son budget. Et en plus, ce mois-ci, votre podomètre multifonction à prix mini. Nouveau, Pleine Vie Expert spécial voisinage, le guide complet à ne pas manquer. Je n'ai jamais eu de vergeture et je voulais vraiment éviter d'en avoir pendant ma grossesse. Ma meilleure amie et ma sœur ont eu un bébé et m'ont conseillé d'utiliser BeOil. C'est évidemment ce que j'ai fait. Lot numéro 45, une magnifique nature morte du 18e siècle. Commençons à 3000 euros. Ah. Allez, allez, des courgettes, des tomates, ils sont bons mes légumes, ils sont frais mes légumes. La Salvetta, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Nouveau format, 50 centilitres. Maintenant, le sud existe aussi à emporter. Pour vos besoins intimes, hygiène quotidienne, sécheresse, irritation, Cavaillès vous assure une efficacité au quotidien. Cavaillès, vos solutions hygiène intime. Mozza par-ci, mozza par-là, à tous les repas Casa Azzurra. Burger mozza, mozza pasta, mozza pizza, avec Casa. Casa, Casa Azzurra. Je n'ai pas le Wi-Fi, pas la 4G. Je n'ai pas d'écran tactile. Je ne peux pas vous dire combien de kilomètres vous avez couru hier. Et pourtant, à ma façon, je peux améliorer votre quotidien. Le parfait, conservons ce que le monde a de meilleur. Retrouvez-nous sur leparfait.fr. Nouveau, Serengo, le magazine pour les plus de 50 ans. Ce mois-ci, arthrose. 25 conseils pour prévenir et soulager. Serengo, chez votre marchand de journaux. Arpic présente... Arpic Active Fresh. Le bloc WC parfumé aux huiles essentielles qui délivre une fraîcheur intense pendant 1, 2, 3, 4, 4 semaines. Arpic Active Fresh, fraîcheur active pendant 4 semaines. Vous faites quoi ce week-end? Avec weekendesk.fr, choisissez votre hôtel et votre activité pour un week-end inoubliable et jusqu'à 50% moins cher. Avec Weekendesk, vivez plus qu'un week-end. Bon week-end desk. Votre peau est si sèche que vous la cachez? Découvrez le nouveau Dove Soin et Huile sur Gras aux microbilles d'huile d'argan et aux huiles relipidantes. Il nourrit intensément et protège votre peau du dessèchement pour que vous soyez heureuse de la montrer. Nouveau Dove Soin et Huile sur Gras. Découvrez toute l'expertise Dove sur Gras pour les peaux sèches, ternes et agressées. Une sardine connectable. Si simple et si raffiné. Sardine connectable, préparée en Bretagne. C'est extra. Yeah. Enroué, Vox Lysopaïne aide à réduire l'enrouement et à fortifier la voix. Yeah. Vox Lysopaïne est un dispositif médical. Votre journée olympique sur France 2. Dès 14h, athlétisme. Début des épreuves de l'heptathlon avec Antoinette Nanajimou. Judo. Premier combat pour notre porte-drapeau Teddy Riner. Sports équestres. Grand prix spécial du dressage par équipe. Les Jeux Olympiques de Rio, en direct aujourd'hui sur France 2. Avec Allianz, assureur officiel de toute l'équipe de France Olympique. Andros, fournisseur officiel de l'équipe de France Olympique. Et avec FDJ, partenaire de l'équipe de France Olympique. Esprit d'équipe oblige, les Jeux Olympiques de Rio sont à vivre sur 4 chaînes de France Télévisions.
Télématin continue avec les confitures au chaudron, Lucien Georgelat. Télématin continue avec le Monde Festival. Paul. Orchestre. L'orchestre de Ray Conniff pour vous accueillir, Arnaud Ursule, faire le point sur ce qui s'est passé hier et cette nuit, un peu partout du côté de Rio. Bah, une belle journée pour l'équipe de France. 5 médailles pour la seule journée d'hier. Les Français ont brillé dans l'eau, à vélo et dans le dojo. Regardez, on commence donc par le judo et Audrey Tchemeo qui a décroché l'argent dans la catégorie des moins de 70 kilos. Elle avait gagné tous ses combats jusqu'à la finale face à l'américaine Harrison qui va remporter le combat sur Ippon avec cette clé de bras. Harrison, championne olympique, Tchemeo en argent et Cyril Marais un petit peu plus tard dans la soirée qui a lui décroché le bronze dans la catégorie des moins de 100 kilos. L'or est revenu au Tchèque Lukas Kpalek. Le Français kimono bleu va remporter son combat pour la troisième place face à l'Allemand Karl Richard Frey. Un joli cadeau d'anniversaire pour Cyril Marais qui fêtait ses 29 ans. Allez, du bronze encore sur dans l'épreuve de la vitesse par équipe. Là, c'est dans le Vélodrome. Grégory Boget, François Pervy, Mikael Dalmeida qui ont remporté la petite finale face à l'Australie. Le titre est revenu aux Britanniques. Eux, c'est à la force des bras qu'ils sont allés chercher leur récompense. Là aussi du bronze, Franck Solforosi, Thomas Barouk, Guillaume Reynaud et Thibaut Collard. Première médaille de l'aviron français dans l'épreuve du 400 barreurs en poids léger, toujours dans l'eau. Gauthier Clos, Mathieu Péché, le bronze en canoë biplace pour les deux Français. Et donc, ça nous fait un total de 11 médailles, Thierry. 11 médailles, du coup, on est 11e. Du classement, classement dominé par les États-Unis avec 38 récompenses. On précise, hein, comme c'est important de le préciser, on comptabilise dans le classement les médailles d'or. Hein. Ah oui, oui. C'est ça le paradoxe. Oui. Vous pouvez avoir 200 médailles. Mais la médaille, mais s'il n'y a pas une en or, effectivement, voilà. On sera derrière une nation qui a une médaille en or. C'est comme Allez, ça. Allez, un peu de hand à présent. Oui, les handballeurs français, vous le savez, qui visent un troisième titre olympique consécutif. Et hier, les experts, comme on les surnomme, ont poursuivi leur parcours sans faute. Une autre victoire pour les handballeurs. On regarde tout ça. C'était face à l'Argentine. Les joueurs de l'équipe de France en bleu vont largement s'imposer. 31-24. Ils sont déjà, d'ores et déjà qualifiés pour les quarts. Il reste deux matchs de poule à jouer, dont le prochain face à la Croatie. Il y a même eu des bonnes nouvelles du côté du tennis. Gaël Monfils qui s'est imposé face à Marin Cilic, le croate, en 3-7. 6-7, 6-3, 6-4. Le Français qualifié pour les quarts où il affrontera le japonais Kei Nishikori. Attention, phénomène Thierry. Elle était attendue. Simone Biles, 19 ans, n'a pas déçu. Elle a décroché le titre de championne olympique du concours général hier. 1m45 de grâce et de puissance. Du jamais vu chez une gymnaste. Une athlète époustouflante, regardez. Et les observateurs disent qu'elle est même la meilleure gymnaste de tous les temps. À Rio, elle en est déjà à deux titres. Et elle a encore trois épreuves pour briller au sol, au saut et à la poutre. Incroyable. Et puis que dire ? Que dire de cet homme, Michael Phelps, 22e titre olympique pour l'Américain. Hier, le meilleur nageur de l'histoire a remporté le 200 mètres 4 nages avec 2 secondes d'avance sur le deuxième. Donc une médaille d'or avec la manière. Et donc c'est le 4e titre sur la même distance en 4 Jeux olympiques. C'est le premier nageur de l'histoire à réaliser ça. C'est prodigieux. 2 Incroyable. Secondes d'avance sur le, sur le deuxième. Voilà, donc à suivre, bah, ça va continuer hein, les compétitions. On espère qu'on aura une médaille ou deux en natation. Ouais, ne pas manquer, c'est ça ? Pardon ? Ne pas manquer cette nuit, il faudra mettre le réveil, Thierry. Ouais. On regarde Florent Manaudou qui souhaite conserver son titre. C'est le 50 mètres nage libre, son épreuve fétiche. Réveil à mettre à 3h44, Thierry. Et puis, entrée en lice également du colosse guadeloupéen, c'est du judo, Teddy Riner qui va tenter de conserver lui aussi son titre dans la catégorie poids lourd. On termine avec ces deux images. La première, il était 16h54 à Rio. Le golfeur britannique Justin Rose. Un trou en un, 172 mètres, et c'est dedans, bravo monsieur. Et puis, au tournoi de beach volley, un petit bonhomme qui va se souvenir longtemps de sa journée d'hier, le petit pépère, le voici. C'était après la victoire du duo brésilien. Bah, il est venu sur le sable, et un petit échange avec l'un des joueurs, et puis il est reparti avec le ballon dédicacé, super. Et lui, quelque chose me dit qu'avec un peu de soupe
et d'entraînement. C'est ça. Ça peut faire mal dans quelques années. Et tout ça, ça vaut de l'or. Voilà, bah on continue à parler des Jeux Olympiques toute la journée, évidemment, sur France Télévisions. Et puis avec vous, la semaine prochaine, Arnaud Ursule. On continue, là, on va parler météo avec Patricia Charbonnier. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Je pense qu'on va avoir un beau, voire même un très très beau week-end, Patricia. Ah, les nouvelles sont excellentes du côté du ciel avec le soleil qui va s'imposer pendant plusieurs jours et les températures qui vont grimper. Déjà aujourd'hui, on retrouve des températures de saison. Déjà ce matin, on retrouve le soleil sur une bonne partie du pays. Sur le nord, c'est un petit peu plus nuageux. On a les résidus de la perturbation d'hier, en particulier près des frontières du nord, où là c'est maussade. Encore des nuages cet après-midi sur le quart nord-est et le nord, alors que par l'ouest, très belle amélioration, retour d'un franc soleil. Le Mistral qui faiblit, c'est une très bonne nouvelle en Méditerranée, rafale à 50 km/h et puis il devrait complètement tomber dans l'après-midi et ce soir. Les températures déjà repartent à la hausse ce matin, 15 degrés à Paris, 20 degrés à Nice et pour cet après-midi. Donc on retrouve enfin des températures estivales avec 26 degrés à Paris, 24 à Strasbourg. C'est un petit peu plus frais sur les côtes de la Manche, 19 degrés à Cherbourg et dans le sud, température comprise entre 26 et 30 degrés, des températures qui vont grimper jusqu'en début de semaine prochaine. À tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Bon petit déjeuner, bon début de journée. Il est 8h, voici le journal présenté par Estelle Colin. Bonjour Estelle. Bonjour Thierry. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette édition. Le nombre à retenir ce matin, c'est 11. 11 médailles pour la France. C'était donc une très bonne journée à Rio. Le résumé de la nuit avec Pauline Pidou. Une course très serrée. Français et Australiens se disputent la médaille de bronze en vitesse sur piste. Victoire pour les cyclistes tricolores grâce à l'accélération de Michael Dalmédia dans les derniers mètres. Moins de suspense pour Florent Manaudou. Sans être inquiété par ses rivaux, le nageur se qualifie pour la finale du 50 mètres avec un seul objectif, décrocher l'or olympique pour la deuxième fois consécutive. Il y a encore de l'émotion pour la 22e médaille d'or olympique de l'inarrêtable Michael Phelps. Sous le regard de sa famille, il remporte la médaille d'or aux 200 mètres 4 nages pour la quatrième fois consécutive du jamais vu. Il laisse derrière lui le japonais Kosuke Agino et le chinois Wang Chun. Des figures époustouflantes. La puce de l'Amérique séduit le public. Avec le mouvement qui porte son nom, Simone Biles s'offre l'or au concours général de gymnastique. Elle confirme son statut de meilleure gymnaste de la planète, les larmes aux yeux. Un chant qui rentre dans l'histoire. Le rugby à 7 donne aux îles Fidji leur toute première médaille olympique. Et elle est en or. Pour célébrer cette victoire contre la Grande-Bretagne, le premier ministre fidjien a même déclaré férié le jour du retour des athlètes. La moisson des Français a donc été fructueuse hier. 3 médailles de bronze et une d'argent. Le détail avec Julien Benedetto et David Dameda. Incroyablement déterminée, Audrey Tchemeo est aux portes de l'or olympique. En tribune, l'espoir de toute sa famille. Mais en finale, la Française se fait piéger par l'Américaine Harrison sur une clé de bras. Audrey Tchemeo est vice-championne olympique 4 ans après sa médaille de bronze de Londres. J'ai fait 4 années, c'était vraiment dur. Et voilà, j'ai toujours eu la foi de ne pas baisser les bras et continuer. Voilà, c'est une belle récompense. Le championnat olympique, ça se prend quand même. Le hippon de la délivrance. Le jour de ses 29 ans, Cyril Marais décroche le bronze en moins de 100 kilos. Immense émotion dans les bras de sa compagne. Même si aujourd'hui j'étais venu pour être champion olympique, voilà, j'ai une médaille olympique autour du cou. C'est du bronze, mais ça reste une grande fierté. Cette médaille, elle représente quand même presque 10 années de travail. Les deux judokas ont fait vibrer les cœurs français et repartiront de Rio avec un petit morceau d'éternité. Le programme de la journée, entrée en lice de Teddy Riner, notre colossal porte-drapeau tricolore aujourd'hui. En s'offrant une deuxième médaille d'or olympique, Teddy Riner pourrait se propulser dans la légende en devenant le poids lourd le plus titré de l'histoire. Manuel Tissier.
Oui, c'est la journée des géants, un jour qui compte. Teddy Riner et Florent Manaudou ont rendez-vous avec l'histoire. Le porte-drapeau tricolore est arrivé à Rio la semaine dernière avec une seule idée en tête, conserver son titre olympique gagné à Londres il y a 4 ans. Il en a les moyens de devenir le plus grand judoka de l'histoire. Pour Florent Manaudou, le défi est de taille également, garder sa médaille d'or qu'il avait remportée lui aussi à Londres sur 50 mètres nage libre dans le bassin olympique. Et puis d'autres géants vont entrer en piste, ceux de l'athlétisme dans le stade olympique, avec les premiers tours pour les reines du sprint. Le 100 mètres féminin débute ce soir. Allez, un coup d'œil sur le tableau des médailles. La France recule à la 11e place, 2 médailles d'or. Et puis sur le podium, encore un duel États-Unis-Chine devant le reste du monde. 16 médailles pour l'un, 11 médailles pour l'autre. Vous pourrez suivre les épreuves de ces Olympiques, de ces Jeux Olympiques en direct sur France Télévisions à partir de 13h. L'actualité, c'est aussi les incendies. Des renforts étaient encore attendus cette nuit dans les Pyrénées-Orientales. Près de 300 pompiers sont toujours mobilisés. Plus de 1000 hectares de végétation sont partis en fumée. Christophe Petro, Sylvain Dauba. C'est à minuit que l'incendie a été fixé. Fixé, cela veut dire que les pompiers en ont fait le tour, mais qu'il n'est pas complètement éteint. 300 pompiers qui ont lutté toute la nuit. Le bilan ce matin, ce sont 1100 hectares de garrigues et de chênes qui sont partis en fumée. La principale bataille, elle a eu lieu ici, à Rodez, dans ce village où nous nous trouvons. Les pompiers étaient positionnés partout dans le village. Certains habitants ont été incommodés par les fumées. Certains ont préféré rester confinés chez eux. D'autres ont évacué le village. Conséquence de ces flammes menaçantes, la nationale 116 a été fermée sur plusieurs points. Cela a créé d'importants embouteillages. Les automobilistes ont dû être hébergés dans des salles polyvalentes et des gymnases. Bonne nouvelle pour ce matin, le vent devrait être beaucoup moins fort et on attend ici l'arrivée de deux canadairs et d'un hélicoptère bombardier d'eau dès le lever du jour. Dans les Bouches-du-Rhône, nuit sous haute surveillance, les pompiers sont là encore mobilisés. Les incendies sont maîtrisés dans la quasi-totalité de la région. Julien Béguéard, bonjour. Certains départs de feu pourraient être d'origine criminelle. Oui, effectivement, et un homme est particulièrement soupçonné. Il aurait été vu non loin d'un départ de feu avec un comportement suspect. Ce sont des habitants qui l'auraient dénoncé à la police. Il a été placé en garde à vue. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend beaucoup ici à Vitrolles. Cette conviction que cet incendie est d'origine criminelle tant il a été violent. La peur du pillage se fait aussi sentir en même temps qu'un sentiment de colère est en train de monter. Certains habitants que nous avons croisés nous auront expliqué avoir dû lutter contre les flammes pendant plusieurs heures par leurs propres moyens, parfois avec un simple tuyau d'arrosage. Ils reprochent le manque de moyens mis à disposition des pompiers, comme le nombre de canadaires. Vous l'avez compris, l'incendie n'est pas encore totalement éteint, une polémique est déjà en train de naître. Merci beaucoup Julien, on se retrouve dans les prochaines éditions. Un mot sur vos conditions de circulation, ce sera orange aujourd'hui selon Bison Futé dans le sud et vert au niveau national. Mais alors attention, demain ce sera rouge partout en France dans le sens des départs et des retours. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour homicide involontaire à Rouen, 5 jours après l'incendie meurtrier dans un bar où 13 jeunes ont péri. Une jeune fille est toujours entre la vie et la mort. 200 personnes leur ont rendu hommage. Et puis Jacqueline Sauvage saura aujourd'hui si elle sera libérée. En effet, la justice doit trancher ce vendredi. Condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent, elle avait été partiellement graciée par François Hollande. À l'étranger, en Thaïlande, double attentat dans une station balnéaire prisée des touristes au sud de Bangkok. Au moins 4 morts et 19 blessés. Les deux engins explosifs ont été déclenchés dans une zone touristique à une demi-heure d'intervalle. Il s'agirait d'un acte de sabotage visant à déstabiliser le pays selon les autorités locales. Marine Candel. Une zone proche de la plage, fréquentée par de nombreux touristes et locaux. Venus célébrer ce week-end férié en Thaïlande à l'occasion de l'anniversaire de la reine, ils étaient nombreux hier soir à arpenter les rues de Hua Hin quand une première bombe explose, puis une seconde 30 minutes plus tard. Une vendeuse thaïlandaise a été tuée, 21 autres personnes blessées. Selon l'administration locale, les engins contenaient des billes en métal, activées par téléphone, les bombes étaient cachées dans les pots de fleurs. Plus tard dans la nuit, un Thaïlandais est mort dans une autre explosion. Ce matin, nouveau double attentat mortel à Hua Hin.
400 km plus au sud, une cinquième explosion tue un employé municipal. Une sixième fait un blessé léger à Phuket. Bilan de ces dernières 24 heures, 4 morts et plusieurs dizaines de blessés, dont 9 touristes étrangers. Une véritable attaque coordonnée qui, pour l'instant, n'a pas été revendiquée. Vous êtes peut-être concerné dans ce qui pourrait être le plus grand bug dans le secteur automobile, le système d'ouverture et de fermeture à distance. De nombreux modèles pourraient être piratés. Audi, Skoda, Renault, Fiat ou encore Ford, entre autres, seraient visés. Une faille pour plus de 100 millions de voitures dans le monde. Evelyne Goldman. Le vol de voitures avec effraction, c'est du passé. Aujourd'hui, les braqueurs ne laissent plus de traces. Ça se passe comme ça. Vous fermez votre véhicule avec votre clé électronique. Et c'est là que le pirate intervient. On a demandé à un expert en sécurité informatique de nous expliquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai brouillé le signal de fermeture entre la clé et votre voiture. Ce qui fait que vous avez cru fermer votre voiture, mais en réalité, elle ne s'est pas fermée. Voyez, si je retente quelques fermetures, la voiture n'entend rien, elle ne se ferme pas. Et donc actuellement, elle est toujours ouverte et je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Selon des chercheurs allemands et américains, cette faille permet de déverrouiller le boîtier à distance. Elle concerne 100 millions de véhicules, presque toutes les voitures des grands constructeurs sont citées dans leur rapport. Mais particulièrement facile à pirater, les Golf Volkswagen conçus depuis 1995. Seule solution contre ces vols sans effraction, revenir au système mécanique ou ne rien laisser traîner dans sa voiture. Allez, retour sur les JO avec cette image, Thierry, l'immense joie d'un village fidjien de 400 habitants qui fête la première médaille olympique remportée par des sportifs de cette petite île. La plus belle, celle en or en plus. L'équipe de rugby à 7 a pulvérisé les Anglais 43-7. Deux des joueurs de cette équipe de rugby sont issus de ce petit village. Le jour du retour des joueurs sera une journée fériée, une annonce du Premier ministre. On peut fêter ça, non, aussi, absolument, en France. Absolument, absolument. Les belles histoires des JO, voilà. Il y a que pendant les JO, on vit ce genre d'histoire magnifique. Merci beaucoup, Estelle. Nous continuons avec d'autres belles histoires à venir. Hein. Évidemment, si vous nous faites le plaisir de nous accompagner jusqu'à 9h25, on retrouvera tout à l'heure Aurélia Bloch. Elle vit la nuit, Aurélia. Et elle va vous présenter un spectacle magnifique au château de Saint-Fargeau, l'un des plus beaux châteaux de Bourgogne, qui nous fait revivre le temps d'une nuit, 1000 ans d'histoire. Ensuite, nous passerons au bloc-notes artistique et culturel de Télématin avec, dans l'actualité musicale, Alex Jaffray, qui vous proposera une sélection qui vient tout droit d'Angleterre. Frédéric Vion viendra tout droit de son bureau pour nous présenter la revue de presse culturelle de ce jour. Ensuite, nous retrouverons Julia Livage et nous irons du côté du Mont-Saint-Michel pour décrire un festival de jazz. Alors ça va être super, avec une programmation exceptionnelle. Et vous allez voir, il y a du beau monde, et notamment quelqu'un que vous connaissez peut-être. C'est le fils de... Voilà, je ne vous en dis pas plus, comme ça vous resterez avec nous. On est là jusqu'à 9h25, à tout de suite. C'est pas sérieux, mon amour. S'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où, ce n'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi, si timide, timide, je me sens solide, solide, depuis que tu m'aimes, tu m'aimes. Comment le cacher sans tricher ce grand affiche sans pudeur, ce n'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit, avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens donc chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Votre soirée sur France 2. Trois épisodes de Shérif, le poids lourd de la crime. Patronne de routier, ça entend des trucs. Surtout si elle met les clients en confiance. Un permis de conduire, une voiture achetée en douce et un compte en banque perso. Les 8000, c'est une sorte d'avance. Ça fait des sacrés pourboires pour des routiers. Une enquête qui sort du train-train pour Jean-Marc Barr et Bruno Solo. Pourquoi l'avoir tué comme ça? C'est là qu'on le saura. Avec Jean-François Zigel, les secrets de la 9e symphonie de Shostakovich.
Shérif, deux flics sur les docks et nuit d'été. Bonne soirée sur France 2. Avec 4 enfants, un métier prenant, des repas pris sur le pouce, les kilos s'installaient. Et là, j'ai dit stop. Je mange mieux, je bouge plus et je prends XLS Médical. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. Dispositif médical. Je bois Vichy, Vichy Célestin. Je me sens belle, elle me va bien. Je bois Vichy, Vichy Célestin. Mon eau au quotidien. Mon corps connaît bien ce refrain. Vichy Célestin, elle me va bien. Urgo présente. Pourquoi les sirènes ont-elles une queue de poisson? Pour cacher leur verrue. Charmant. Heureusement, Urgo a lancé Urgo Verrue Traitement par Cryothérapie. Un flacon qui englobe et gèle la verrue au cœur pour s'en débarrasser en une seule application. Dispositif médical. Tous vos mots méritent Urgo. Votre prothèse dentaire ressemble à vos dents naturelles. Mais quand vous mangez des aliments durs, votre prothèse bouge. Oh non! Cela ne devrait pas arriver. Essayez l'adhésif Fixe Dents Plus, dont la fixation supérieure aide votre prothèse à tenir presque aussi fort que des dents naturelles. Ainsi, vous pourrez même manger des aliments durs. Fixe Dents, presque aussi fort que des dents naturelles. Fixe Dents et la vie a du mordant. Ceci est un dispositif médical. Ça n'est jamais agréable quand l'eau a du mal à s'écouler. Ça veut dire qu'un bouchon est en train de se former. Desktop Turbo. Sa formule ultra concentrée traverse l'eau stagnante et élimine le bouchon en 5 minutes chrono. N'attendez pas, Desktop Turbo. Et dans certaines canalisations, les solutions classiques n'arrivent pas à éliminer les résidus responsables des bouchons. Nouveau Desktop Mousse Active. Il épouse parfaitement la forme des canalisations pour traiter chaque recoin. Et hop, les résidus, on n'en parle plus. Desktop Mousse Active. Mal à la gorge? Contre les virus responsables des maux de gorge peu intenses et sans fièvre, Strepsil. Ces deux antiseptiques locaux empêchent la multiplication de ces virus. Dès les premiers symptômes, Strepsil. Médicament pas avant 6 ans. Urgo présente... Oula malheureuse! Urgo a encore innové avec SOS Coupure. On tire la bande, on enroule, on pince pour couper, et ça tient tout seul. Révolutionnaire! Et on reprend son activité très vite. J'en connais qui ont faim, moi. Dispositif médical. Tous vos mots méritent Urgo. Les peintures Théodore sont si faciles à appliquer qu'elles donnent envie de peindre encore et encore. Théodore, un grand nom de la peinture. Depuis 1825. Rendez-vous sur théodore.fr. Coloré, naturel, difficile de savoir. Nouveau Belcolor, une nouvelle formule riche en huile d'argan créée par Garnier. Deux fois plus de soins pour une couleur tout en nuances. Des cheveux intensément nourris et zéro cheveux blancs. Une couleur si naturelle que l'on pourrait croire que c'est votre couleur d'origine. Nouveau Belcolor, tout naturellement numéro 1 de la coloration en France sur garnier.com. Ah, c'est quoi ça? Ok, enlève tout. Alors vous ne le voyez pas, mais jour après jour, des résidus s'accumulent dans votre machine. Et vous lavez dans cette eau. Alors Calgon 2 en a une nouvelle formule à chaque lavage. Il est imbattable contre le calcaire et il a deux fois plus d'agents actifs qui évacuent les résidus. Un linge propre commence par une machine propre. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Et contre les millions de bactéries qui prolifèrent dans les machines, nouveau Calgon Hygiène Plus. C'est le seul anti-calcaire qui élimine 99,9% des bactéries. Calgon Hygiène Plus. Urgo présente... Pourquoi les mariées se cachent-elles le visage? Pour masquer un vilain bouton. Oh, le stress! Heureusement, tadaan! Urgo a développé Filmogel Bouton, un film protecteur et invisible qui accélère la disparition des méchants boutons. Tous vos mots méritent Urgo. Le pouvoir est en vous. CB12, haleine ultra fraîche. Votre dose quotidienne de confiance. Télématin continue avec les confitures au chaudron, Lucien Georgelin. Télématin continue avec le Monde Festival. Votre connaisseur, d'abord vous avez reconnu Aurélia Bloch, ça c'est une chose, et c'était la musique de Game of Thrones. Parce qu'on va partir visiter un château magnifique et on va faire ça de nuit, car Aurélia vit la nuit. Et on va aller à Saint-Fargeau, Aurélia. Pour vous proposer une sorte de Puy du Fou, mais bon enfant, où il sera question au château de Saint-Fargeau dans l'Yonne de revivre 1000 ans d'histoire. 1000 ans d'histoire, mais réalisé par 600 figurants
une soixantaine de cavaliers. Des figurants, en fait, ce sont que les habitants des alentours du château qui se réunissent pour cette grande messe magnifique pour raconter ces 1000 ans d'histoire. Alors, c'est un peu une façon de revivre l'histoire avec un grand H, aussi de découvrir des magnifiques tableaux que dresse cette population sur le parc du château de Saint-Fargeau. Ça rappelle des scènes médiévales, des scènes de la Révolution, ça raconte des scènes de la... aussi de la Grande Guerre. Et on va découvrir des personnages. Il y a des personnages, il y a des chasses peintres. À cour, la chasse à cour, il y a des peintres. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Et puis surtout l'opéra. L'opéra, c'est la grande passion du propriétaire du château de Saint-Fargeau, qui s'appelle Michel Guyot, qui l'a acheté en 1979 avec son frère et qui n'avait pas les moyens de retaper cet monstre médiéval. Et du coup, il a eu l'idée de créer ce spectacle. Un spectacle à écouter, à voir, à admirer et surtout à vivre la nuit. Lorsque la nuit tombe au château, 1000 projecteurs s'allument, c'est notre grand spectacle. 700 acteurs, 50 chevaux, depuis des décennies, nous donnons cette grande fresque visuelle qui raconte l'histoire mouvementée et tumultueuse de ce grand château qui est un des plus grands châteaux de France. Et vont revivre leur histoire. Le spectacle de Saint-Fargeau, c'est 1000 ans d'histoire. À l'aube de l'an 1000, Saint-Fargeau appartient à un évêque chasseur, beaucoup plus soucieux des plaisirs de la chasse que de son ministère. Parmi les grandes scènes qui sont données à travers ce spectacle, il y a une grande scène médiévale avec un tournoi, une course de quintaine, des chevaux qui galopent bride abattue, étendard au vent. Pour Marie-Louise de Bourbon-Montpensier, cousine du roi et duchesse de Saint-Fargeau, c'est l'exil en ces terres de Puisaye. Et puis la grande mademoiselle arrive, propre cousine germaine du roi Louis XIV. Elle a fait donner le canon sur les troupes du roi pendant la Fronde. Louis XIV n'a pas apprécié. Il l'envoie 5 ans en exil à Saint-Fargeau, où elle fait venir Madame de Sévigné, Molière, toute une cour extraordinaire. Et puis, il y a l'aventure romanesque du régicide, le pelletier de Saint-Fargeau, qui, à l'époque de la Révolution française, rejoint les rangs des montagnards et vote la mort du roi. Donc, une histoire extrêmement riche qui donne lieu à ces tableaux assez extraordinaires. C'est un spectacle à forte connotation culturelle parce que toutes nos illustrations musicales sont piochées dans le répertoire classique et lyrique. Elle fait connaître aux Anglais l'âcre goût de la défaite. Vous avez beaucoup de gens modestes qui n'ont jamais l'occasion de voir un opéra ou assister à un concert et qui connaissent par cœur un concerto de Mozart ou une ouverture de Tchaïkovski parce que pour eux c'est lié à des images. Et en ça, il y a une forte connotation culturelle. Imaginer le plaisir que c'est d'abord pour le spectateur, mais aussi pour celles et ceux qui participent à cette aventure. Oui, ça fait plus de 35 ans qu'ils sont tous là, en famille. Alors, il y a eu les grands-parents, il y a eu les parents, maintenant, il y a les petits-enfants. Tout le monde se retrouve chaque année pour tous les week-ends. En fait, ça se passe le vendredi et le samedi. Et c'est vraiment une grande messe où il y a, à la fin du spectacle, tout le monde se rassemble, même le public est invité à se rassembler auprès des figurants pour fêter ça. Et puis, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, Jeanne d'Arc, que vous avez vue dans le sujet, Jeanne d'Arc, c'est la fille du propriétaire du château, c'est Raphaël Guyot. Donc tout ça se vit en famille et se regarde aussi en famille parce que les enfants, c'est une façon de se réapproprier l'histoire. En fait, c'est une façon de transmettre l'histoire à ses enfants de façon ludique et puis surtout avec beaucoup d'émotion. C'est deux fois dans la semaine. Hein. C'est le vendredi et le samedi. Alors, il ne reste que 4 représentations parce que ça s'arrête le 20 août prochain. Et puis, ça coûte 18 euros. Et puis, vous passez pour vraiment... les grands, moins cher pour les petits. Et c'est vraiment une belle soirée à s'offrir. Super, merci beaucoup Aurélia. On se retrouve demain hein, pour oui. Télématin. Oui. Télématin à partir de 7h. Allez, le bloc-notes artistique and culturel de Télématin. Musique.
Alors, par ordre d'entrée en scène, Alex Jaffray. Oui. Ensuite, Frédéric Vion, Julia Livage. Enfin, voilà, le bloc-notes de Télématin. Alors, avec quelques petites nouveautés venues d'outre-Manche. Exactement, des petites pépites anglaises. Alors voilà, on est à peine rentrés de vacances, nous, de l'autre côté de la Manche, que, bim, déjà, ils ont sorti des albums, bim, avec des super titres, avec des super artistes. Voilà. Ils sont trop forts. Et comme c'est vous qui nous les présentez, en général, c'est que ça va cartonner. Non, c'est parce que j'ai reçu une grosse somme d'argent de ces artistes et que donc, de fait, j'en parle. C'est la seule condition. Hein, c'est ça. Vous imaginez c'est ça, bien. En fait, c'est, non, la corruption. C'est toujours très bien, surtout, vous allez voir quand la BBC en parle ou que, voilà, généralement, c'est des artistes en devenir avec une petite pousse et un an après tout le monde fait ah voilà ouais, mais Alex en avait parlé déjà bien longtemps avant c'est on commence par Bat for Lashes. Bat for Lashes, c'est un groupe avec l'ADN du groupe est tenu par cette jeune femme qui s'appelle Natasha Khan. C'est son quatrième album, donc on a déjà parlé autour de cette table. Natasha Khan, souvent la presse anglaise la compare sa voix à Kate Bush ou Björk, donc vous imaginez déjà. Et bon, c'est vrai que elle a vraiment un bel organe et les chansons sont très prenantes. Là, c'est un album concept, donc c'est son quatrième album, qui s'appelle The Bride, la mariée. Et c'est l'histoire, c'est pour ça qu'elle a une petite robe de mariée, on le voit ici ou de l'autre côté, regardez, une robe de mariée. The Bride, l'histoire, c'est un album concept, donc c'est une seule et même histoire. C'est une jeune mariée qui perd son fiancé le jour de son mariage. Oh, ça nous est tous arrivé un jour. Non, oui. Non, il n'y a que moi, alors bon, bah alors il n'y a que moi. Mais voilà, donc évidemment, c'est un peu triste. C'est pas triste, c'est mélancolique, c'est très beau, il y a un peu des nappes de synthé, j'adore. Enfin voilà, c'est un peu le mois d'octobre, la température là, en ce moment. À Paris. Oui, mais ça va s'améliorer ça va là. Hein, ouais, hier, c'était le mois d'octobre. Bah, pour écouter au mois d'octobre, c'est bien. Parfait. Même maintenant, allons-y, c'est bien, on sait ça. Dans la maison de Dieu. Oui. Le titre de. Et alors, on dirait pas, mais c'est très catchy, enfin attrapeur dans la langue de Molière. Vous voyez, c'est-à-dire que cette petite mélodie-là, elle vous rentre dans la tête et c'est bon. Prenons attrapeur. Ça fait très Pokémon comme ça, attrapeur. Bon, j'ai n'importe quoi. On continue, donc c'est toujours des Anglais, si jamais vous n'étiez pas là au début de la chronique, parce que cette chronique est très longue. Je parle. Donc, c'est des pépites anglaises. On continue avec L.A. Salami. Salami comme le salami. Et L.A., en vrai, son vrai nom, c'est Lookman a découlé. Donc, il a préféré les initiales L.A. Voilà, Adam. Voilà un garçon qui est guitariste, chanteur, qui a un timbre et un flow, vous savez, un débit très hip-hop, vachement bien. Et sauf que la musique derrière, c'est plutôt du blues. Donc, c'est super intéressant. C'est un mélange. Ça se marie bien. Ça se marie bien, c'est vachement bien. La BBC n'arrête pas de passer de son titre depuis 2012. C'est enfin son premier album qui sort. Vous allez voir, là aussi, c'est très attrapeur. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah, c'est bien, ça m'a bien attrapé, ça. Oui, personnellement. Non, mais il faut l'écouter dans la longueur. Le titre fait 4 minutes 23. Il y a plus, jamais un titre fait 4 minutes 23. Les titres font 3 minutes, 3 minutes 30. Ah, là, 4 minutes 23, bim, c'est vraiment bien. L.A. Salami. Ouais, il faut le voir sur scène. Voilà, je crois qu'il sera sur scène dans pas longtemps. C'est bien écrit, mais j'arrive pas à m'en lire. Alors, on continue et on termine avec Metronomy. Alors, Metronomy, c'est connu, c'est leur cinquième album. Donc, Joseph Mount, voilà, qu'on voit ici, qui est un peu l'homme orchestre. Pour le coup, il joue quasiment tous les instruments. Le groupe s'appelle Metronomy parce qu'il a appris avec un métronome la batterie. Parce qu'il joue de la batterie depuis l'âge de 9 ans. Donc voilà, métronome, voilà pourquoi. On avait beaucoup entendu en 2008 leur gros tube qui s'appelait The Look, qui avait été utilisé en télé, en pub, enfin voilà. C'est vachement bien. Donc depuis, ils ont bien avancé. C'est toujours un peu tristounet, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire ce côté mélancolique que les Anglais... Bluesy, on va dire ça. Bluesy. Mais oui, c'est ça. C'est mi-triste, vous savez, vous avez la tête penchée sur le côté, vous faites « Oh, c'est bien que ça ». Voilà. Ils sont super forts. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, pour que ça s'appelle Summer 08, en hommage justement à ce moment de leur vie où d'un seul coup, l'été 2008, c'est devenu un super groupe et ça a changé un peu. Et quand vous mettez 08 à l'envers, ça fait 80. Et à mon avis, c'est pas un hasard parce que c'est très 80s. Adam, c'est énorme.
Bon, alors pour rester dans le français, on va revenir à Tristounet. Mais oui. Dans le bon côté Tristounet. Oui, mais c'est ça, c'est ça. C'est un peu toujours pareil. C'est construit avec, vous savez, comme The Look, leur tube, avec un petit effet de synthé ou d'orgue. Et puis la chanson se construit, c'est en progression constante. Et voilà, avec le petit côté mi-triste. Le petit côté genre, on regarde la pluie dehors parce qu'on est anglais, parce que c'était des pépites anglaises. Gros bisous. C'était super. Voilà. Merci, Alex, pour ces pépites. Et à très, très bientôt. Tout ça, c'est sur le site de Télématin, si vous n'avez pas eu le temps de noter. Voici la revue de presse culturelle de Frédéric Vian. Camembert. Eh ouais, 9 by 9, 9 fois 9. 9 fois 9, 81. Le mec, il devient fou. Moi, c'est officiel. J'ai l'impression de me voir, en plus, ça me fait peur. Allez, on commence par quoi? Je vais être un peu cocardier, Thierry, ce matin. J'ai très envie de dire vive la France, parfaitement. Parce que dans quel autre pays du monde un grand hebdomadaire d'information serait capable de faire ceci en couverture? Couverture que vous allez voir et qui reprend un célèbre tableau. L'origine du monde de Gustave Courbet, peintre français, tableau que je ne décris pas plus avant. Et vous l'avez compris, le dossier principal de l'Obs cette semaine est consacré au sexe féminin, histoire d'un tabou, dit le sous-titre. Il y a par exemple cette injonction sociale qui pousse de plus en plus les jeunes femmes à s'épiler intégralement, comme si la pilosité féminine à cet endroit était quelque chose de sale. Il y a aussi le fait que certaines femmes elles-mêmes ne connaissent pas forcément très bien leur propre anatomie, dit cet article. Et à ce propos, un symptôme, nous dit l'Obs, quand des rappeuses se moquent de leurs collègues rappeurs qui, dans leurs chansons à eux, se vantent de leur virilité et de leur prétendue prouesse sexuelle, toutes les deux phrases, si elles, les rappeuses, font la même chose mais dans l'autre sens à propos du sexe féminin, eh bien cela choque beaucoup plus, c'est souvent censuré d'ailleurs, ce qui prouve qu'on n'en est pas encore à l'égalité. Bah oui. Alors que les rappeurs, c'est une grande vulgarité. Donc je ne peux pas détailler davantage ce dossier de l'Obs à une heure de grande écoute. Je vous renvoie au numéro de cette semaine. Il me semble que le tableau n'est pas dans ce sens-là original. Non, ils l'ont penché à 80 degrés. Voilà. Le gars qui a beaucoup vu le tableau. et ce matin, il y a beaucoup d'articles à propos de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'avoue que j'ai été surpris par ceci dans les pages sport du Parisien aujourd'hui en France. Voyez le titre, une femme haltérophile et alors bien sûr, c'est un article qui défend cette femme qu'on voit sur la photo, l'haltérophile française, Gaëlle Nayo Ketchanke. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en 2016, il soit encore besoin, apparemment, de justifier qu'une femme pratique un sport de force. Et ça va même plus loin que les sports. Toujours dans le Parisien, autre article absolument stupéfiant intitulé « Les cheveux courts, est-ce que ça vous gêne ?» Alors apparemment, nous apprend cet article, il y a une tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, tendance à critiquer les femmes qui font ceci ou cela avec leurs cheveux. D'un côté, celles qui portent les cheveux courts se font critiquer par les gens qui considèrent qu'elles abdiquent ainsi leur féminité, mais d'un autre côté, celles qui portent les cheveux longs se font critiquer par les gens qui considèrent que les femmes à cheveux longs se plient à une injonction machiste d'être sexy. Bref, on n'en sort pas. Est-ce qu'on fichera un jour la paix aux femmes et aux hommes aussi d'ailleurs à propos de leur physique? Article dans Le Parisien. Julia est en train de bouillir juste à côté de vous, Julia, parce qu'elle donne souvent la parole aux femmes. Les critères physiques sur les réseaux sociaux, oui. Que ce soit la taille du ventre, on en parlera demain web avec les femmes rondes, ouais. Les cheveux... Et les gens se permettent de dire « Ah, mon avis, t'es moche !» Voilà. C'est terrible, c'est pour ça que quand il y a des choses intelligentes, pour qu'elles puissent s'exprimer, c'est important d'en parler, ouais. Non, mais c'est important, je voyais c'est que vrai. Julia était non, en train mais de réagir. Elle a raison, non, et puis tout le monde se permet de juger tout le monde à n'importe quoi ou de pleurnicher sur Internet. Enfin, cette revue de presse ne serait pas complète s'il n'y avait pas l'article du jour consacré au... J.O. Non, Pokémon. Ah bah oui, j'ai oublié ça, bah oui. Mais oui, article sur les Pokémon. Ils sont partout. Article sur les Pokémon dans le journal économique Les Échos, journal qui nous apprend... Oui, d'ailleurs. Vite. Non, il y en a partout. Mon portable. Vite. Volkswagen en Allemagne. Les usines Volkswagen sont obligées d'interdire le jeu Pokémon sur leur chaîne de montage parce qu'évidemment, ça peut provoquer des accidents. Et d'autres entreprises allemandes font la même chose. Ce qui m'amène à cet article du site internet du Figaro qu'on va voir ensuite. Pourquoi diable l'application Pokémon Go cache-t-elle ses bestioles dans des lieux complètement incongrus de sorte que les gens chassent dans les usines, sur les autoroutes, dans des lieux où c'est dangereux? Eh bien, en fait, la société qui fait ça, c'est un algorithme, un programme automatique qui place les Pokémon et l'entreprise qui a mis au point ce jeu qui s'appelle Niantic. Cette entreprise se targue d'une haute précision, mais de deux choses l'une. Ou bien le programme est incapable de reconnaître les lieux incongrus et d'éviter d'y mettre des Pokémon, ou bien c'est qu'il s'en fiche complètement. Donc, vous lirez cet article sur le site web du Figaro qui explique comment ça fonctionne.
Merci beaucoup. Et puisqu'on est en train de parler de culture, je vous invite au festival Foire en scène qui aura lieu du 26 août au 5 septembre à Châlons en Champagne. C'est un super festival avec une programmation incroyable. Pascal Obispo, Alain Chamfort, Souchon, Woolsey, The Avener, Dire Straits, enfin vraiment. Et puis le dimanche 28 août, le plateau anniversaire en hommage, Alex, à Daniel Balavoine. Ah. Voilà, donc ça sera une belle, belle journée. Ma chanson préférée du monde, c'est Le Chanteur de Daniel Balavoine. Vous la chantez, je pleure. Ça, quand même bien. J'adore. Mais je serai vieux, je pourrai crever, je me chercherai un Dieu pour tout me pardonner. Je veux mourir malheureux pour ne rien regretter. C'est quand même super fort. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Alex. Voilà, donc vous confirmez qu'il faut absolument aller au Festival Foire en scène du 26 au 5 septembre avec une belle, belle programmation. Et tout ça, c'est sur le site de Télématin. Et c'est à Châlons en Champagne. Et on quitte Châlons en Champagne pour aller au Mont-Saint-Michel avec Julia Livage, s'il vous plaît. Bon, Julia, comme dirait Jamel, dites-moi pas que c'est pas vrai. Eh ben si. Vous avez rencontré Kyle Eastwood, on vient d'écouter Kyle, là. Ouais. Au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel. Pour quelle occasion? Pour le festival Jazz en Baie. Le festival Jazz en Baie, c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est plusieurs villes de tout ce coin-là, Granville, Carole et j'en passe, qui se sont fédérées autour de ce projet culturel commun et qui ont mis en place ce festival Jazz en Baie, dont c'est la 7e édition. Alors, c'est un festival, c'est assez étonnant, parce que d'un côté, vous avez une programmation quand même qui est très ambitieuse, très exigeante, et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont en vacances. C'est 10 jours de musique de jazz à deux pas de la plage. Donc, ce sont deux univers qui se mélangent, et du coup, vous avez un public d'amateurs d'un côté qui vient vraiment là pour écouter du jazz, donc ce sont des spécialistes, et de l'autre côté, ces personnes qui viennent un peu par hasard ou par plaisir et qui vont découvrir pour la première fois des scènes de jazz relativement exigeantes. Alors, nous, ce soir-là, nous avons rencontré Kyle Eastwood, d'abord compositeur de jazz émérite. Bon c'est... boss. Accessoirement extrêmement beau. Qui ressemble à son père il y a 30 ans. Tout à fait. Donc, Kyle Eastwood, compositeur de jazz, dont c'est le deuxième album, Time Pieces, et aussi contrebassiste. Alors, moi, j'avais rarement vu, j'ai vu des concerts de jazz, mais jamais rarement vu quelqu'un se comporter avec sa contrebasse de cette manière. C'est-à-dire que c'est une performance absolument incroyable, aussi bien physique que musicale. C'est un virtuose, et en plus, il y a une harmonie, une complicité avec son groupe. Vous allez voir, ça se passe de commentaires. Écoutez, regardez. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in the place, but I can't get joy. Le principe, il est double. Il est de mettre en valeur le patrimoine régional de ce territoire, qui est la baie du Mont-Saint-Michel, et également de proposer du jazz accessible pour un peu contrecarrer les idées que le jazz est uniquement pour l'élite. Et en fait, c'est pas vrai, c'est une musique populaire au sens noble du terme. On a deux types de public. Le public vraiment jazz qui suit l'activité du jazz, mais également le public de curieux. Et le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est les personnes qui sortent d'un concert en disant « Ah, c'est ça le jazz, en fait j'aime bien, voilà ». Ce soir, nous allons recevoir Kyle Eastwood, fils de Clint Eastwood. C'est la grande classe, c'est la classe absolue, c'est... Enfin, vous verrez, voilà, c'est magnifique. Je suis ici pour jouer à Jazz en Baie et nous allons présenter quelques morceaux de mon dernier album, Time Pieces. Je pense que certains des meilleurs festivals sont ici en France. Et même en Europe d'ailleurs, mais tout particulièrement en France. Je pense que le public français est ouvert à tous les styles musicaux, et particulièrement le jazz. Donc c'est toujours une grande joie de venir jouer ici. Aux États-Unis, le public amateur de jazz est plus âgé et il n'apprécie généralement qu'un ou deux styles de musique. I
Alors qu'en France, j'insiste vraiment, les gens apprécient toutes les musiques. En tout cas, moi, je reviendrai toujours ici avec grand plaisir. And have a petite vacance. Je peux vous dire que tout le monde se régale hein, sur le plateau. Alex Jaffray, ravi, Frédéric, emballé. Moi, c'est une merveille. Question que je voulais vous poser concernant le fils de Clint Eastwood. Est-ce que son père fait appel à lui de temps en temps? Oui, il a fait des compositions de musique de film pour lui, notamment sur les derniers films. Et puis, il a joué aussi. Il a eu des petits rôles dans ses films. Le festival se termine lundi soir, donc c'est jusqu'au 15 août. Et tous les soirs, vous avez des concerts absolument géniaux. Donc, si vous êtes dans le coin, allez-y. Dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est merci beaucoup, Julia. Nous, on reste ensemble hein, jusqu'à 9h25. C'est juste sur le plateau de Télématin. Télématin, c'est toujours le matin. T'as compris ? Enrouée, Voclizopaine aide à réduire l'enrouement et à fortifier la voix. Yeah. Voclizopaine est un dispositif médical. Cilit Bang, c'est vous qui en parlez le mieux. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis là pour vous parler de Cilit Bang avec Javel. J'ai un petit garçon de 2 ans qui touche à tout. Avec Cilit Bang, je sais que mon fils n'attrapera pas une mauvaise bactérie. Je vaporise, le coup d'éponge a passé et c'est réglé. Ça sent le propre, c'est frais, c'est synonyme de propreté. Pistolet Cilit Bang avec Javel. La vitesse a toujours été notre passion. Nous sommes capables de battre des records, mais un mal de tête peut tout gâcher. Nurofen Flash 400 soulage rapidement la douleur plus intense ou non soulagée par un comprimé dosé à 200 mg. Médicament à l'ibuprofène, pas avant 30 kg, environ 11-12 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Arctic Power Plus Max 10. C'est le premier gel qui combine 10 actions pour des toilettes parfaitement propres. Par exemple, avec sa formule Power Plus, les taches tenaces ne sont plus si tenaces que ça. Arpic Power Plus Max 10, c'est ça l'efficacité Arpic. C'est maman qui a commencé comme j'aime, puis mamie, puis moi. On s'envoyait nos résultats toutes les semaines par SMS. J'ai perdu 10 kilos. Moi, 18 kilos. Et moi, 16 kilos. Comme j'aime, c'est pratique, c'est livré à domicile. C'est sain, bon et varié. Et pas besoin de faire les courses et encore moins la cuisine. Appelez le 0800 004 004 et perdez 5 kilos dès le premier mois. Bénéficiez d'un mois gratuit et recevez en cadeau cette ceinture vibrante amincissante. 0800 004 004, un mois gratuit. Comme j'aime, souriez à la vie. Quand votre environnement quotidien rend vos yeux secs, essayez le spray Opton Activist. Contrairement aux gouttes, il s'applique sur les paupières fermées et recouvre la surface de l'œil lorsque vous clignez. Il répare son film hydratant protecteur pour que votre gêne soit vite oublié. Opton Activist soulage vos yeux en un clin d'œil. Dispositif médical disponible en pharmacie. L'intégralité des Jeux Olympiques sur France TV Sport. 2400 heures de compétition en direct, plus tous les lives et les replays sur le site ou l'appli exclusive pour mobile et tablette. Télématin continue avec les confitures au chaudron, Lucien Georgela. Télématin continue avec le Monde Festival. Et si on continuait ce télématin avec quelques bonnes idées de lecture pour ce mois d'août, eh bien, dans ces cas-là, on fait appel à Olivia de Lamberterie et à William Lémergie. Voilà. On termine cette promenade dans la littérature cette semaine avec Olivia de Lamberterie et deux femmes. Elles n'ont pas le même âge. La manière dont on parle d'elles est extrêmement différente. Et on va commencer avec le Madeleine Project. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Madeleine Project ? Ça fait référence à quoi ? Ça dit quelque chose ? Ça fait référence à un tweet. C'est un reportage. Un reportage 2.0, comme on dirait aujourd'hui. Oui. C'est chic comme tout, ça. Mais c'est génial. C'est à la mode. C'est publié aux éditions du Sous-Sol. Clara Baudou, c'est une journaliste d'aujourd'hui. Elle a une trentaine d'années. Elle aime le son, elle aime les images, elle aime mix et tout. Et puis, elle s'installe dans un nouvel appartement. Et un jour, elle descend pour voir la cave. Mmh. Elle s'aperçoit qu'il y a un cadenas. Donc, elle se débrouille pour, par le propriétaire, trouver qui occupait cet appartement avant elle. Elle va trouver un descendant d'une dame qui a occupé son appartement pendant 20 ans et qui va lui dire « Oh là là, je suis désolée, on aurait dû la vider, cette cave. Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. »
Bon, très bien, donc elle descend avec un outil, elle force le cadenas, et là, elle tombe sur quoi ? Une vie dans des cartons. C'est-à-dire qu'elle va tomber sur une valise remplie de lettres, elle va tomber sur des cartons remplis de photos, elle va tomber sur une collection d'Historia, vous savez, le journal qui est rangé avec une petite ficelle autour. Elle va tomber sur ces boîtes qu'on a tous dans nos maisons, dans nos greniers, ces petits riens, mais auxquels on tient beaucoup. Alors ça peut être un petit morceau de papier, ça peut être un pendentif. Là, elle tombe sur un pendentif avec une dent de lait au milieu. Elle tombe sur tout ça. Mais est-ce qu'elle fait le lien et elle sait à qui ça appartient ou alors, elle est un peu dans le... Elle connaît juste le prénom de la dame. Elle D'accord. s'appelle Madeleine. Elle l'a trouvée à cause d'une publicité pour une mutuelle dans la boîte aux lettres. Oui. Et à partir de tous ces objets, elle va vraiment restituer la vie. Ah oui, de d'accord. Madeleine. D'abord, elle commence... Elle est dans sa cave, elle a son téléphone et elle tweete. À chaque fois qu'elle tombe sur un objet, elle fait une petite photo et elle le met comme ça sur le net. Donc j'ai découvert le livre à l'occasion de sa publication sur papier et vous n'avez pas du tout besoin de tweeter pour en découvrir toute la saveur. Ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure de petites phrases comme ça, de moins de 140 signes et de photos, vous allez découvrir la vie de Madeleine. C'est absolument bouleversant. Donc Madeleine, elle est née en 1915. Clara Baudou avait découvert des stocks de mercerie. Sa maman était mercière, vous savez, tout se recoupe. Elle avait découvert beaucoup de fournitures scolaires. Elle était institutrice. Elle avait découvert une correspondance avec un amoureux qui s'interrompt pendant la guerre. Madeleine ne s'est jamais mariée. C'est très, très bouleversant parce que ça correspond à toute l'histoire du XXe siècle. Et en même temps, ça correspond à nos vies. On a toute une Madeleine dans notre vie. Oui, mais c'est une curieux. Grand-mère, une grand-tante. Cette manière de travailler, vous savez quoi, ça me fait penser à un archéologue, une archéologue. C'est qu'elle prend des petits morceaux comme ça, puis on les date, on met la référence, on les classe. C'est une archéologue 2.0, vous avez exactement trouvé ce qu'elle fait. Elle déterre les objets d'une vie. Alors, dans la deuxième partie du livre, elle se refait journaliste parce qu'elle va voir les gens qui ont vraiment connu Madeleine, ses anciens voisins, son filleul. Et là, elle est très craintive parce que c'est un projet qui est très personnel dans lequel elle s'est beaucoup investie. Elle se dit, est-ce que la Madeleine que j'avais pressentie va correspondre à la vraie Madeleine? Eh bien, oui. Et là, nous avons les saisons 1 et 2 et nous allons encore découvrir d'autres choses parce qu'elle continue son enquête. Ah bon, elle va aller à Bourges, dans la ville de Madeleine, pour essayer d'en savoir plus. C'est un livre magnifique. Et Madeleine avait des enfants, on ne sait pas. Non, pas d'enfants, Madeleine. Pas d'enfants. Mais elle a eu des chéris ou pas? Elle a vécu avec un homme pendant longtemps sans être mariée avec lui. Et elle a eu un chéri pendant la guerre qui s'appelle Loulou. Les extraits des lettres de Loulou, c'est juste magnifique et bouleversant. Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé, la couverture, c'est d'un moule à Madeleine. Qu'elle a découvert dans la cave. Voilà. Le moule à Madeleine de Madeleine. De Madeleine à Aurore. Alors Aurore, elle, c'est une adolescente. Le journal d'Aurore, publié rue de Sèvres. Aurore, c'est une héroïne de Marie Desplechin. Marie Desplechin, c'est une romancière très, très précieuse parce qu'elle a fait aimer les livres aux enfants. Et notamment grâce à ce journal d'Aurore qu'elle avait publié à l'école des loisirs, qui devient une bande dessinée grâce à Agnès Maupré. Il faut laisser traîner ce livre pendant les vacances, où que vous soyez. Toute la famille va le dévorer. Parce que Aurore, c'est le prototype de l'adolescente qui passe des heures avec sa meilleure copine comme un mollusque sur un lit. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça caricatural? Est-ce que tous non. les ados... Non. C'est très, très fin parce que c'est très, très drôle. Parce que Marie Desplechin, elle est très, très fine et parce qu'elle est très, très drôle. Ça, je sais, oui. Donc, elle a des formules géniales. Par exemple, elle dit, comparée à la mienne, c'est Aurore qui parle, la vie du rat taupe est un carrousel enchanté. Voilà pourquoi ça ne ressemble pas à tout le monde. Alors, en plus, elle est coincée entre une sœur qui est un peu dévergondée, qui voudrait se faire percer la langue, et une petite sœur qui est parfaite, qui travaille très très bien, et donc les professeurs n'arrêtent pas de lui demander « Vous êtes la sœur de cette élève si brillante ?» Elle dit « La prochaine fois, je vais dire qu'elle est adoptée. » Moi, il faut que ça fasse vrai, parce que sinon, on a l'impression que ces ados-là, ce sont des ados pour téléfilm. Qui n'entend rien, qui s'en fout, etc. On voit ça souvent, on se dit « Bon, ils ne sont pas tous comme ça. » C'est le portrait de l'adolescente que vous avez chez vous. Il y a une grande phrase sur l'adolescence, le seul truc bien avec l'adolescence, c'est qu'un jour, c'est fini. c'est rue de Sèvres, et jamais contente, toujours fâchée. C'est formidable. Merci beaucoup, Olivia. Voilà, vous avez fait le plein. À bientôt. À bientôt. À bientôt, William. Olivia, demain, dans Télématin, car nous serons là demain à partir de 7h pour vous accompagner. Ah, maintenant, on va parler des étoiles filantes. Ah oui, ça, voilà une bonne idée.
parce que comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on en parle au mois d'août, bah, c'est l'Actu Plus avec David Lefort. Alors, phénomène récurrent au mois d'août, on en parle pendant les infos, on a l'impression que ça se passe au mois d'août, la fameuse nuit des étoiles filantes. Alors, est-ce que c'est aussi exceptionnel que ça, déjà une? Comment ça se passe? Et puis, racontez-nous un petit peu. Alors, celle-là est exceptionnelle, parce que d'une ampleur assez, assez singulière. Mais effectivement, c'est tous les ans, au mois d'août, on nous parle de la nuit des étoiles filantes. C'est vrai que nous sommes en plein dedans. Ce sont les Perséides en ce moment. Toi, c'est la Perséiade et moi, c'est les Perséides. Je m'en souviens. Il ne faut pas que je mélange, parce que je ne vais pas y arriver. En gros, il y en a quand même 8 comme ça, des phénomènes dans l'année. Il y en a fin octobre, il y en a à Noël. Les Urcides, c'est à Noël, mais c'est ce même phénomène. Alors c'est vrai que là, au mois d'août, avec la chaleur et les congés, on est quand même plutôt invité à sortir, à être dehors et à lever un peu les yeux. Cette nuit, ce n'était pas la peine, malheureusement, il y avait beaucoup trop de nuages par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on voit? On ne voit surtout pas des étoiles. Ce sont des poussières. Non, les étoiles, ce sont des soleils, en fait. Ouais, mais ça ne bouge pas, enfin, vaut mieux pas d'ailleurs. Mais ce que l'on voit dans les étoiles filantes, ce sont des petits morceaux de poussière de comètes. Une comète, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme bout de glace qui voyage comme ça dans l'univers. Et quand il se rapproche du Soleil, on va le voir ici, ça va se sublimer, c'est-à-dire que la glace se transforme immédiatement en vapeur et libère des petits morceaux de poussière. C'est ce qu'on voit, vous voyez la petite trace qui est constellée comme ça, ce ruban, c'est le passage de la comète qui s'appelle Swift-Tuttle. C'est celle qu'on croise tous les ans au mois d'août, Swift-Tuttle, rapide de Tuttle. Donc elle laisse d'année en année comme ça des petites traces de poussière. Et ce qui se passe au mois d'août, c'est que la Terre, elle, dans sa trajectoire, que vous voyez ici en gris, ben elle va traverser ce nuage. Tous les ans, au même moment, elle traverse ce nuage. Et ce qui résulte finalement de la collision entre l'atmosphère et ces petits grains, notre atmosphère et ces petits grains de sable, eh bien, ce sont les phénomènes, les étoiles filantes que l'on voit. Il faut vraiment se figurer ça, hein, ça paraît un petit peu difficile à comprendre, mais ce que l'on voit, ces étoiles filantes très brillantes, c'est de la taille d'un grain de sable. Alors certes, c'est un grain de sable qui traverse cette atmosphère à quelque chose comme 50 km seconde, ça c'est un minima, mais ça ionise l'atmosphère qui se trouve autour et ça produit ces phénomènes fabuleux. Alors, je le disais, malheureusement, on n'a pas tellement eu de chance là, ce matin, c'était vers 1h ou 2h du matin qu'on aurait pu voir ce phénomène, mais il y avait trop de nuages. On peut continuer à regarder le ciel ces jours prochains parce que ce phénomène va durer au moins jusqu'au 24 août prochain. Pourquoi est-il si singulier cette année? Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la trajectoire de la Terre, elle est à peu près toujours la même. Mais la trajectoire de la comète, elle change un petit peu, elle oscille. De fait, il va y avoir plusieurs couches qui vont se superposer, plusieurs rubans comme ça. Et là, on va traverser trois couches. Ça donne le vertige quand on considère ça, parce qu'on traverse trois couches du 17e, du 18e, et une plus ancienne que la découverte de l'Amérique. Il y a une couche qu'on traverse cette année qui date de 1479. Le passage de la comète en 1479, on va le traverser cette nuit. Alors effectivement, ça donne le vertige. Ça donne aussi, au final, en moyenne, 2 étoiles filantes par minute, si on a la chance de les voir au travers de la couche nuageuse. Et avant de voir un phénomène des Perséides aussi important, alors bien sûr, il y en aura un l'année prochaine, hein, c'est garanti, mais de cette ampleur, ça sera en 2028 à présent. J'espère que vous avez apprécié, parce qu'il n'y a pas un bruit sur le plateau. Tout le monde prenait des notes. Ben oui, c'est les chiffres, peut-être. Il y en a un ou deux qui ont un petit peu lâché l'affaire. Ou alors, ils ont un petit coup de... Hein? Alors, si, pour ce soir, si vous voulez aller regarder ce soir, pour vous orienter, c'est très simple. Pour regarder la Grande Ourse, ça, on voit à peu près à quoi elle ressemble. Oui. C'est une casserole. Pour revenir dans ton domaine. Celle-là, Vous regardez la casserole et vous vous orientez légèrement sur votre épaule gauche, oui, au nord-est. Voilà. Et là, vous voyez les Perséides. D'accord, merci beaucoup. Bel exercice, de la belle ouvrage. Voilà. Et puis vous faites un vœu dès que vous voyez. Ouais, 2 par minute. Faites une petite liste comme moi. Là, voilà, voilà. Dès que vous apercevez ce que nous on appelle une étoile filante. Ouais. Merci beaucoup, David. Alors après les Perséides, la Persillade, c'est ça. Avec Karine Tessandier, puisqu'on va passer à table. Je vous offre la transition. Vous êtes gâtée, Karine, car oui. Ça, c'était de la musique pop libanaise. Ah.
bravo. Car je pense que la recette que vous allez nous proposer est une recette d'origine libanaise. Absolument, il s'agit d'un chiche taouk. Alors, qu'est-ce que le chiche taouk? En fait, c'est tout simplement un poulet qui est mariné avec du jus de citron et des épices. Ce poulet, on peut le déguster comme ça, dans une assiette, dans un sandwich. Moi, j'ai décidé de le monter en brochette. Donc, c'est l'été, donc c'est sympa parce qu'on peut faire mariner son poulet et après, un petit coup de barbecue et voilà, l'affaire est faite. Mariner le poulet toujours avant de le cuire, ça permet de l'attendrir, d'avoir une viande vraiment fondante, même si elle n'est pas d'une qualité extraordinaire. Ça améliore bien les choses. Alors, je discutais, pour tout vous raconter, avec notre coiffeur, Michel, dans les coulisses, qui est libanais et qui me disait « Mais comment tu n'as pas mis de mélasse de grenade dans ta recette ?» Je lui dis « Quoi ? De la mélasse de grenade ?» Et ouais, c'est vrai qu'au Liban, on utilise ce produit-là parce que la grenade est très répandue dans la cuisine du Moyen-Orient. Et donc, j'ai découvert cette mélasse qui permet de faire mariner le poulet, qui a la vertu de le ramollir. C'est un petit peu acide, vous pouvez mettre un peu de miel. Donc voilà, il y a mille et une façons de cuisiner ces petites brochettes. Je n'ai pas mis de mélasse de grenade parce que je pense que vous aurez un petit peu de mal à en trouver. Mais voilà, au besoin, sachez qu'on peut bien sûr la mettre dans la marinade. Alors, que je vous propose tout de suite. Notez les ingrédients, oui. Voilà. Donc, vous aurez besoin de poulet. Bien, Thierry, c'est le premier ingrédient sur la liste. 1 kg de blanc de poulet, des gousses d'ail, du citron, de l'huile d'olive, du thym, du piment doux, du cumin, de la cannelle et du safran. Tout est là, alors vraiment, alors là c'est cuisine première année, hein. Ça va aller très vite. Vous allez couper le poulet et puis le faire mariner en mettant tous les ingrédients dans le saladier. C'est vraiment pas compliqué. Donc vous choisissez des blancs de poulet, c'est plus simple, on n'a pas à désosser les cuisses, etc. Bien sûr, on enlève la peau. On va le couper en cubes assez, pas trop petits, parce qu'après pour le monter en brochette, on aura des difficultés. Et donc je vous ai dit toujours du jus de citron dans la marinade pour le poulet. Oui, alors comment on fait la marinade? Alors jus de citron. Voilà, on va rajouter un petit peu d'ail, toujours. Si vous craignez pas, n'hésitez pas à en mettre pas mal. On l'épluche, on le dégerme et avec mon petit pressail, crac, je vais récupérer toutes les gousses d'ail. Alors moi, comme j'aime bien ça, j'en ai mis pas mal, j'avoue. J'en ai mis 4 gousses, mais après... il faut manger ça en couple. Un moment de solitude. Et puis, après le jus de citron, l'ail, bien sûr, de l'huile d'olive, indispensable. Et puis, on ajoute du thym frais, si vous avez de préférence, dans cette marinade. Après, c'est le bal des épices. Donc, on va ajouter un peu de cannelle, un peu de cumin et du piment doux. Mais là encore, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous avez dans les placards. On peut mettre du 4 épices, de la muscade, enfin voilà. Piment, oui, plutôt doux. Il faut que ce soit relevé quand même, Thierry. Et un petit peu de safran, en poudre. Ouais. C'est bien. Comme si ça ne suffisait pas, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors, vous laissez mariner. Le mieux, c'est une demi-journée. Et puis ensuite, vous allez pouvoir monter vos brochettes. Donc vous voyez, ça a pris une belle couleur jaune comme le soleil de l'été. Et vous allez monter ça en petites brochettes. Si vous n'avez pas d'extérieur, que vous voulez quand même faire des petites brochettes, eh ben, on ne se démonte pas, une poêle de l'huile d'olive et on fait revenir tout ça. Voilà, tout simplement. Donc on les tourne dès que ça prend, vous voyez, une belle coloration. Ça va embaumer votre cuisine. Ce petit fumet-là me fait gargouiller le ventre de bon matin. Alors avec quoi on sert ça? Avec du boulgour de préférence, c'est délicieux avec ce genre de petites brochettes. Du boulgour, après ça peut être de la semoule, du riz sauvage, bref, comme vous le souhaitez. Bon. Voilà, une petite brochette vraiment très rapide et vous voyez, on discute cuisine tout le temps dans cette émission, sur le plateau, dans les loges. Et cette idée de mélasse de grenade, eh ben, je la retiens et je vous la ressortirai au moment où vous n'y attendez pas. Ouais. Et donc, n'oubliez pas, 4 gousses d'ail dans la marinade. Après, vous fermez les yeux et dites, toi, t'as mangé un chiche taouk. Oui, c'est vrai. Préparé par Karine Tessandier. Ah bah oui. Bon, demain, on se retrouve pour le dessert. Oui, des petites glaces, 3 petites glaces et puis s'en vont. Parfait. Ben, nous, on ne s'en va pas tout de suite parce qu'on est là jusqu'à 9h25 et on va parler météo à présent avec Patricia Charbonnier. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Voilà une belle météo à venir avec du beau soleil pendant ce week-end.
Les nouvelles sont excellentes du côté du ciel. Non seulement on va retrouver le soleil, des conditions météo très estivales à partir de cet après-midi, mais en plus on avait vraiment des températures très fraîches depuis le début de la semaine. On était largement en dessous des normales de saison. À partir d'aujourd'hui, on va retrouver des températures de saison. Et à partir de ce week-end, on va repasser au-dessus des normales de saison. Donc ce matin, c'est encore assez nuageux. Sur la moitié nord du pays, on a les résidus de la perturbation d'hier. Et ces nuages vont se replier cet après-midi vers le nord et le nord-est du pays. Mais a priori, ils ne donneront pas de précipitations. Alors que par l'ouest, très belle amélioration. L'anticyclone vient se positionner sur le proche Atlantique, donc c'est un temps sec, très ensoleillé, grand soleil dans le sud. Et là, bonne nouvelle, le Mistral faiblit enfin. Il devrait complètement tomber à partir de cet après-midi sur la basse vallée du Rhône avec des températures. Vous allez voir la différence hein, ce matin avec les températures d'hier, 11 degrés à Reims. Hier, à la même heure, on avait relevé seulement 4 degrés, 15 degrés à Paris. Dans le sud, température entre 17 et 20 degrés près de la Méditerranée. Donc cet après-midi, très nette hausse des températures. On sera quasiment partout dans les normales de saison avec 23 degrés à Lille, 26 à Paris, 24 à Strasbourg, température entre 26 et 30 sur la moitié sud, 30 degrés entre Bordeaux et Perpignan. Donc pour demain, c'est un très très beau samedi qui s'annonce, très ensoleillé, simplement un petit voile nuageux, des températures qui repartent à la hausse et donc qui repassent au-dessus des normales de saison. Simplement quelques développements nuageux en montagne, ce sera en fin de journée sur les Alpes et sur les Pyrénées. Dimanche, encore un petit peu plus chaud et un temps magnifique, simplement quelques passages nuageux près des frontières du Nord et sur les Alpes. Lundi et mardi, encore deux très belles journées, sans doute les deux journées les plus chaudes, avec des pointes à 35 voire 37 degrés dans la partie sud-ouest. Mais à partir de mardi, là le ciel va s'ennuager sur l'ouest du pays à la d'une perturbation qui donnera sans doute quelques averses en fin de journée et une petite tendance orageuse du côté des Pyrénées. Le temps sera vraiment très très lourd, hein, très très moite à l'avant de ces orages. Et mercredi, eh bien là, ce sera une dégradation nuageuse et surtout orageuse assez marquée sur la moitié ouest, avec sans doute à surveiller des orages évidemment localement forts avec beaucoup de pluie, les températures qui vont baisser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après cet épisode orageux, en fin de semaine prochaine, on retrouvera encore des conditions météo très estivales. Je vous souhaite une belle journée et surtout un très très beau week-end. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Merci beaucoup Patricia. On va vous souhaiter une belle journée. En tout cas, elle a bien commencé, j'espère. On continue jusqu'à 9h25, nous. Et voici le journal de 9h qui est présenté par Justine Weil. Bonjour Justine. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Le ciel s'éclaircit pour les Bleus à Rio. 5 médailles raflées en une seule journée pour les athlètes tricolores, notamment en vélo. Les Américains, eux, ont brillé en gymnastique et en natation avec encore une médaille d'or pour Michael Phelps. Tous les résultats de la nuit avec Pauline Pidou. Une course très serrée. Français et Australiens se disputent la médaille de bronze en vitesse sur piste. Victoire pour les cyclistes tricolores. Grâce à l'accélération de Michael Dalmédia dans les derniers mètres. Moins de suspense pour Florent Manaudou. Sans être inquiété par ses rivaux, le nageur se qualifie pour la finale du 50 mètres. Avec un seul objectif, décrocher l'or olympique pour la deuxième fois consécutive. Il y a encore de l'émotion pour la 22e médaille d'or olympique de l'inarrêtable Michael Phelps. Sous le regard de sa famille, il remporte la médaille d'or aux 200 mètres 4 nages pour la quatrième fois consécutive du jamais vu. Il laisse derrière lui le japonais Kosuke Agino et le chinois Wang Chun. Des figures époustouflantes, la puce de l'Amérique séduit le public. Avec le mouvement qui porte son nom, Simone Biles s'offre l'or au concours général de gymnastique. Elle confirme son statut de meilleure gymnaste de la planète, les larmes aux yeux. Un chant qui rentre dans l'histoire. Le rugby à 7 donne aux îles Fidji leur toute première médaille olympique. Et elle est en or. Pour célébrer cette victoire contre la Grande-Bretagne, le premier ministre fidjien a même déclaré férié le jour du retour des athlètes. Et parmi les médailles gagnées par la France, deux font particulièrement du bien. En judo, une discipline où les tricolores ont vécu un début de compétition laborieux. D'abord l'argent d'Audrey Tchemeo, vaincue en finale par la championne olympique en titre, l'américaine Kayla Harrison. Et puis le bronze pour Cyril Marèche et les moins de 100 kilos. Le judoka très ému s'est offert un joli cadeau pour le jour même de ses 29 ans.
Et judo toujours avec l'entrée en lice aujourd'hui de Teddy Riner. Le géant est attendu à 15h, heure française. Match que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes. Le programme du jour, on le voit avec Manuel Tissier. Oui, c'est la journée des géants, un jour qui compte. Teddy Riner et Florent Manaudou ont rendez-vous avec l'histoire. Le porte-drapeau tricolore est arrivé à Rio la semaine dernière avec une seule idée en tête, conserver son titre olympique gagné à Londres il y a 4 ans. Il en a les moyens de devenir le plus grand judoka de l'histoire. Pour Florent Manaudou, le défi est de taille également, garder sa médaille d'or qu'il avait remportée lui aussi à Londres sur 50 mètres nage libre dans le bassin olympique. Et puis d'autres géants vont entrer en piste, ceux de l'athlétisme dans le stade olympique, avec les premiers tours pour les reines du sprint. Le 100 mètres féminin débute ce soir. Retour en France après les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales sont en proie aux incendies. 1100 hectares brûlés, des habitations menacées. Sur place, Christophe Pétraud et Sylvain Dobat. C'est à minuit que l'incendie a été fixé. Fixé, cela veut dire que les pompiers en ont fait le tour, mais qu'il n'est pas complètement éteint. 300 pompiers qui ont lutté toute la nuit. Le bilan ce matin, ce sont 1100 hectares de garrigues et de chênes qui sont partis en fumée. La principale bataille, elle a eu lieu ici, à Rodez, dans ce village où nous nous trouvons. Les pompiers étaient positionnés partout dans le village. Certains habitants ont été incommodés par les fumées. Certains ont préféré rester confinés chez eux. D'autres ont évacué le village. Conséquence de ces flammes menaçantes, la nationale 116 a été fermée sur plusieurs points. Cela a créé d'importants embouteillages. Les automobilistes ont dû être hébergés dans des salles polyvalentes et des gymnases. Bonne nouvelle pour ce matin, le vent devrait être beaucoup moins fort et on attend ici l'arrivée de deux canadairs et d'un hélicoptère bombardier d'eau dès le lever du jour. Et du côté de Marseille, les incendies ont détruit plus de 3000 hectares. Tous les foyers sont désormais maîtrisés. Place à l'enquête. La piste criminelle serait privilégiée. Pour en savoir plus, on retrouve à Vitrolles Julien Bigard. Oui, effectivement, et un homme est particulièrement soupçonné. Il aurait été vu à proximité d'un départ de feu. Ce sont des habitants qui l'auraient dénoncé à la police. Il a été placé en garde à vue. C'est en tout cas quelque chose qu'on entend beaucoup ici à Vitrolles. Cette conviction que l'incendie est d'origine criminelle, tant il a été violent. La peur du pillage se fait aussi sentir, en même temps qu'un sentiment de colère est en train de monter. Certains habitants que nous avons rencontrés nous ont expliqué avoir dû lutter contre les flammes par leurs propres moyens, parfois avec un simple tuyau d'arrosage. Il reproche un manque de moyens mis à disposition des pompiers, comme le nombre de canadairs. Vous l'avez compris, donc l'incendie n'est pas encore totalement éteint, qu'une polémique est déjà en train de naître. Justice, en bref, Jacqueline Sauvage va-t-elle sortir de prison ? Condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent, elle a été graciée par François Hollande fin janvier. Sa demande de libération conditionnelle est examinée aujourd'hui par le tribunal d'application des peines qui rendra sa décision dans la journée. À l'étranger, plusieurs bombes ont explosé en Thaïlande entre hier soir et ce matin, 11 au total. Le bilan provisoire est de 4 morts et plusieurs dizaines de blessés, notamment des touristes. Les explosions ont eu lieu dans des stations balnéaires très prisées. Aucune revendication pour le moment, mais selon la police, il s'agirait plus de sabotage local que de terrorisme international. Et avant de se quitter, retour à Rio avec la joie des médaillés français. Tout sourire, ils sont arrivés au Club France pour fêter leur victoire. Leurs proches et leurs fans les attendaient. Une belle soirée en perspective qui n'est peut-être pas encore finie puisqu'il est là-bas seulement 4h du matin. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 13h avec Marie-Sophie Lacaro. Très belle journée à vous. À demain Thierry. Bonne journée Justine et à bientôt, j'espère. Les JO, c'est sur France Télévisions, hein, donc régalez-vous. Voilà, on va encore avoir des médailles, vous allez voir. Nous restons jusqu'à 9h25. Nous sommes ensemble avec Marie-Dominique Perrin qui nous emmènera visiter une ville assez mal connue. C'est la ville de Saint-Nazaire, son art, son architecture, une histoire singulière, une ville atypique à découvrir avec Marie-Do. Et côté santé, eh bien, on ira sur l'île d'Oléron. Voilà, pour rendre hommage aux hôpitaux, voilà, qui sont là pour vous pendant les vacances et qui peuvent intervenir à tout moment si vous avez un problème. C'est dans quelques instants. Alors à tout de suite.
Hey, c'est super technique, hein? Super technique. Et bonne tenue de route. Et double oreille. Bon, allez, enlève ta ceinture, c'est à mon tour. Ah non. Non, non, non. Stana, 0800 801 064. C'est maman qui a commencé comme j'aime, puis mamie, puis moi. On s'envoyait nos résultats toutes les semaines par SMS. J'ai perdu 10 kilos. Moi, 18 kilos. Et moi, 16 kilos. Comme j'aime, c'est pratique, c'est livré à domicile. C'est sain, bon et varié. Et pas besoin de faire les courses et encore moins la cuisine. Appelez le 0800 004 004 et perdez 5 kilos dès le premier mois. Bénéficiez d'un mois gratuit et recevez en cadeau cette ceinture vibrante amincissante. 0800 004 004, un mois gratuit. Comme j'aime, souriez à la vie. Harpic présente... Harpic Active Fresh. Le bloc WC parfumé aux huiles essentielles qui délivre une fraîcheur intense pendant 1, 2, 3, 4, 4 semaines. Harpic Active Fresh, fraîcheur active pendant 4 semaines. Aujourd'hui, la dépression envahit notre pays. Un cumul de cumulus, un ciel gris à l'ouest, un ciel gris à l'est et partout ailleurs un ciel nuageux. Eh ben, elle est bien grise cette carte. Elle te ferait pleurer une cigale. Eh les copains, vous auriez pu forcer un peu sur le jaune. Vous allez me le déprimer là. La Salvetta, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Nouveau format, 50 centilitres. Maintenant, le sud existe aussi à emporter. Essayez le nouveau Polident Total Action, une crème fixative pour appareil dentaire qui offre plus 38% de force masticatoire et bien plus de liberté. Vivez pleinement. Nouveau Polident Total Action, croquez la vie 38% plus fort. Polident est un dispositif médical. Ce soir, Shérif. On enquête sur la mort de Corinne Muller. On l'appelait la Madone des routiers. Ça se voyait qu'elle était pas bien avec son mec. Elle a menti sur ce qu'elle faisait, où elle allait. Patronne de routier, ça entend des trucs. Surtout si elle met les clients en confiance. On a un permis de conduire, une voiture achetée en douce et un compte en banque perso. Les 8000, c'est une sorte d'avance. Ça fait des sacrés pourboires pour des routiers. Shérif, trois enquêtes du poids lourd de la crime. Ce soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio description. Profitez de votre soirée en regardant votre série avec Gardena, spécialiste des produits d'arrosage. Télématin continue avec les confitures au chaudron, Lucien Georgela. Télématin continue avec le Monde Festival. Voilà, pour terminer ce télématin, nous serons avec Richard Zanzavadian et Marie-Dominique Perrin qui nous emmènent à la découverte d'une ville qui fait partie de ces villes mais ou mal connues que vous défendez brillamment, Marie-Dominique. Ah, ben, je vais essayer. Il s'agit de Saint-Nazaire, une ville à la mer. Alors c'est vrai que Saint-Nazaire, l'histoire avait bien commencé, c'était un peu la capitale des transatlantiques qui partaient vers l'Amérique du Sud au début du siècle, et puis est venue la guerre, la ville a été détruite à 85%, comme Le Havre, comme Royan, puis après reconstruite. Alors toutes ces villes qui ont subi ces dommages de guerre, on va dire, ben, il y a toujours eu après la reconstruction des polémiques sur l'architecture, etc. Aujourd'hui, la ville se porte très bien, merci. Le carnet de commandes des chantiers navals est plein à craquer avec ces géants des mers qui peuvent emmener jusqu'à 6000 personnes retour de croisière. Et puis sur le plan touristique aussi, avec Escale Atlantique qui a investi le bunker construit par les Allemands, où là on est in situ dans les belles croisières du France, du Normandie. Et puis à travers la ville, il y a tout un parcours plein de couleurs, plein de fresques, les anciennes pêcheries qui se réveillent. Et puis quand on va sur les plages, bien sûr, les vacances de Monsieur Hulot, toujours d'actualité à Saint-Marc-sur-Mer. On y va ?
Saint-Nazaire, c'est un port marchand, c'est surtout une ville de constructeurs et évidemment, c'est la grande ville française des fameux chantiers navals. Avec un carnet de commandes vraiment exceptionnel, un plein pour 10 ans, jusque dans les environs de 2025-2026. Donc des paquebots pour la MSC et le Sistership, le frère jumeau d'Harmony of the Seas. C'est un formidable vecteur touristique puisque les chantiers sont ouverts aux visites. Vraiment un circuit qui permet d'être immergé au cœur de la construction des paquebots. Nous sommes sur le toit de la base sous-marine, donc la plus grande fortification de la Seconde Guerre mondiale en Europe, construite par les Allemands et qui a remplacé en fait la gare de la Compagnie Générale Transatlantique, d'où partaient les paquebots pour l'Amérique centrale. Cette base sous-marine a 4 toits successifs, car plus les bombes alliées étaient puissantes, plus les Allemands perfectionnaient la forteresse. Donc ils ont préféré détruire les villes pour rendre les bases difficilement utilisables. Progressivement, la base est devenue abandonnée. Puis dans les années 90, la ville a décidé de la reconquérir et d'en faire un lieu, cette fois-ci stratégique, mais de stratégie touristique et culturelle. On y trouve Escale Atlantique, consacrée à l'histoire et la légende des grands paquebots transatlantiques, qui est un peu le fer de lance du tourisme nazérien. Le visiteur va passer à travers les murs du blockhaus, où il va se retrouver dans le hall d'un navire en partance dans les années 30. Les paquebots les plus fameux, c'est bien sûr l'île de France des années 20, le Normandie dans les années 30 et le France des années 60. On devient un passager du temps et on part en croisière à travers plein d'époques différentes. Dans le sillage des musiciens du festival Les Escales, des artistes venus du monde entier laissent une trace de leur passage. L'an dernier, les Chiliens ont investi les quais. Cette année, c'est une jeune artiste sud-africaine qui s'y est collée. Et puis, il y a le parcours Tintin. Saint-Nazaire étant l'une des rares villes qu'Hergé a réellement dessinées dans l'album Les 7 boules de cristal. Saint-Nazaire, c'est une ville qui cultive sa différence. Alors la différence, c'est la reconstruction. C'est les années 50. C'est une ville qui a fait protéger énormément de lieux au titre de patrimoine du XXe siècle. Saint-Nazaire, point de départ des transatlantiques, mais terminus de la Loire à vélo. Et sur le front de mer, il y a à voir. Avec les anciennes pêcheries réhabilitées, une partie de pêche au carrelet, ça vous dit? On peut même y dormir aussi. C'est une ville qui a plus de 12 km de littoral, qui a plus de 20 plages, qui est pavillon bleu depuis l'année dernière et qui a entièrement reconquis l'ensemble de son ouverture sur la mer. Et pour les vacanciers de l'été, goûtez à l'atmosphère des vacances de Monsieur Hulot, de la plage de Saint-Marc-sur-Mer qui a séduit Jacques Tati dans les années 50, c'est toujours un must. Faire un tour de manège, s'agiter sur la plage, se baigner, surveillé par l'homme à la pipe, c'est un privilège, comme une Madeleine de Proust qui n'aurait pas pris une ride. Alors Monsieur Hulot, là, quand il se penche et qu'il surveille, il a perdu sa pipe, on lui a volé, c'est pas bien quand même ça. Hein? Ah bon, ça fait partie de tous ces personnages qui ont perdu ou leur cigarette, leur pipe. Oui, remarquez, c'est très bien comme ça. Bon, c'était bien de découvrir la face cachée et méconnue de Saint-Nazaire. Et franchement, c'est une belle ville. Les chantiers navals, c'est les plus anciens d'Europe, vous imaginez. Et ils vivent toujours et ça, c'est très bien aussi. Merci, on continuera notre promenade demain dans Télématin. Hein? Exactement. La vidéo des JO du jour, elle est présentée par Julia. Alors là, je vous laisse vous expliquer parce que vous allez nous présenter quelques athlètes, mais des vrais. Hein? Ah, des vrais, oui. Des vrais. On a compilé dans cette vidéo avec beaucoup d'humour les talents sportifs d'enfants du monde entier. C'est-à-dire que c'est une mode, les parents mettent sur Internet leurs enfants prodigieux, faisant des choses incroyables. Là, il se trouve que ce sont vraiment des futurs sportifs. C'est une compilation qui a été faite, qui est très très bien. Je vous présente l'équipe olympique de 2032. Incroyable. Oh, c'est super. Ah,
Oh. Hé, hey, regarde ça. Voilà, je vous laisse la découvrir dans son intégralité. Ce sont des enfants du monde entier, je le précise, parce que quand on voit les sources, c'est vraiment une compilation du monde entier, donc une équipe internationale. C'est sympathique, rafraîchissant. Et on sera là pour les voir et les applaudir en 2032. Voilà, merci beaucoup Julia, c'était formidable. Et on termine ce télématin avec Richard Zarzavadjian et on va rendre hommage à tous ces hôpitaux qui sont là pour vous en été. Et il y en a un qui est situé sur l'île de Léron, oui. Eh oui. Docteur, je ne m'explique pas les symptômes que voilà. Je suis pris par une douceur qui ne me ressemble pas. Ah mais c'est l'amour, Julien. Oui. Julien Clerc, cette petite douceur, c'est l'amour. Mais parfois, ce n'est pas des douceurs, ce sont des douleurs qu'on ressent. Des brûlures, on est sur la plage, on a eu un pris. Des otites. Des otites, tout ce dont on a parlé. Exactement. Durant cette semaine. Et toutes les îles ne sont pas équipées d'un hôpital. Mais ça progresse, hein, ça progresse. Et ce matin, on va parler effectivement de l'île d'Oléron, tout simplement parce qu'il faut savoir que la population, l'été, sur l'île, est multiplié par plus de 10. Donc ça suppose qu'il y ait des structures médicales pour accueillir. Alors effectivement, la bobologie, les accidents d'été, mais parfois, il peut y avoir des problèmes très graves qui doivent justifier des premiers soins avant d'être envoyé dans un hôpital, dans une structure vraiment plus lourde, mais intéressante. Donc là, à Oléron, cet hôpital local, hein, c'est un petit hôpital, eh bien, ils ont développé des moyens, donc des médecins, des infirmières, et aussi un service d'urgence. Et je puis vous assurer que c'est vraiment très, très utile. On va le voir tout de suite. On va aller écouter les patients qui en ont profité, et puis surtout le médecin qui organise tout ça. Regardez. L'été, la population de l'île d'Oléron sur la côte atlantique est multipliée par 10. Pour répondre aux besoins sanitaires des vacanciers, l'hôpital local a déployé des moyens supplémentaires avec des médecins, des infirmières, sans oublier les urgentistes, indispensables face aux situations aiguës. À Oléron, nous sommes l'été à 1 heure de route de l'hôpital de Rochefort, quasiment à 2 heures de l'hôpital de La Rochelle. Donc ici, je pense que grosso modo, en 1 quart d'heure, 20 minutes, les patients sont là, ce qui permet de faire un premier diagnostic. Donc on assure quand même le premier soin. Les points de suture, les otites, les bronchites, les coups de soleil, les coups de chaud, enfin tout ce qui est la pathologie de l'été, voilà, oui. Les déshydratations, etc. Cet après-midi, la salle d'attente du centre d'Oléron est déjà bien remplie. Je trouve que c'est bien parce que si ça tombe en plein week-end, qu'on ait quelque chose, c'est ouvert. J'ai une écharpe dans mon doigt et puis que j'ai pas réussi à me l'enlever tout seul. Et vu qu'il n'y a pas de médecin d'ouvert, vu que la pharmacie n'a pas voulu me faire, il aurait fallu que je m'en aille aux urgences à Rochefort. Une organisation et une permanence des soins dont Lucette, une habituée de l'île l'été, a elle aussi bénéficié. Et ce jour-là, je me suis sentie pas bien du tout, nauséeuse, oppressée à nouveau, fatiguée. Donc je me suis dit, ça va passer, je vais me reposer, faire la sieste, etc. Pourtant, Lucette vient de faire un infarctus. Et c'est sa sœur qui va prendre les choses en main en alertant les secours. Grâce à la structure d'Oléron, elle va recevoir les premiers soins rapidement. Et c'est peut-être cela qui l'a sauvée, car l'infarctus est une urgence absolue. S'il n'y avait pas eu ces structures au cours de l'été, la sœur de notre patiente aurait probablement pris sa voiture et emmené à Rochefort. Ce qui signifie pour sortir de l'île d'Oléron peut-être 1 heure, 2 heures de véhicule. Et puis d'autre part, l'attente qu'il y a à Rochefort et l'été qui peut aller de 5 heures à 7 heures, paraît-il. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pu ne pas être là pour en parler. C'est vraiment très utile, on imagine, hein, la situation. Donc c'est un hôpital local qui assure la permanence des soins, c'est-à-dire qu'il y a un premier hôpital et puis, si nécessaire, on envoie sur d'autres structures beaucoup plus lourdes. Parce que pour quitter Oléron, c'est vrai. Ben hein, oui, elle l'a bien dit. Hein. Et puis après, il faut aller soit à Rochefort, soit à La Rochelle. Donc voilà, c'est vraiment une structure qui mérite à être saluée.
Bonne nouvelle, parce que vous en parlez régulièrement. Ouais. Il y a un centre de dialyse. Voilà. Ça, hein, c'est important aussi, parce que les dialysés, les gens qui ont des troubles du rein, ont le droit de partir en vacances. Donc, de plus en plus, des structures se créent, et notamment à Oléron, on prend en charge les vacanciers qui veulent à la fois passer de bonnes vacances, mais aussi être soignés. Est-ce qu'il y a d'autres îles où on trouve ce type d'infrastructure ? C'est indispensable, Thierry, parce qu'il y a de plus en plus de gens dans ces îles, et je pense à l'île de Ré. Là aussi, il y a un dispositif parfaitement adapté pour prendre en charge ces gens-là. Il ne faut pas que les vacances soient un moment difficile. Donc, il faut qu'il y ait ces structures. Et ça rassure les gens, ça rassure les parents, ça rassure les familles et ça rassure tout le monde. Donc, c'est bien. Et il faut rendre hommage à ce travail qui est fait à Oléron. Merci, Richard. La semaine prochaine, vous serez en compagnie d'Isabelle Martinet. Et la semaine prochaine, on dira merci, docteur. Oui, merci, docteur. Des très belles histoires. Et à chaque fois, on dit merci à la sortie. Voilà, ça ne m'empêchera pas d'être là demain pour vous accompagner dès 7h, télématin jusqu'à 10h, comme tous les jours de la semaine, pendant les vacances, ouvert pendant les vacances, je le précise. En tout cas, je ne sais pas si vous serez là demain. En tout cas, moi, j'étais ravi de vous accompagner pendant ces quelques semaines. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Voilà, passez une excellente journée, de bonnes vacances si vous en avez et du courage si vous en manquez. Voilà, à bientôt. Merci. When my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro, mio mio. I go wild and then I have to do the samba and la bamba. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro, I'm a salsa fellow. When my baby smiles at me, the sun lightens up my life and